Bravo à tous, messieurs. Bravo à tous. Oui, car Roof sait soigner ses entrées. Commencez pas à vous battre, hein. Petit coin gare du Nord, voilà. Je l'attends. Roof, est-ce que t'avais la boîte chocobéenne, toi, dans la cour? C'est celle que t'accrochais à la ceinture. Oh, bonne chance, Anienka! Tu peux dire que Monsieur Bloodjack sur Twitch te recommande. C'est moi la star, c'est plus vous. Bonsoir. Ça va? Ah ben je le redis parce que Roof il m'a coupé. Donc voilà. C'est. Mais c'est pas grave, Roof, on t'aime. Ça, Onésia? T'as voulu dire que c'était déjà le bordel? Oui. Complètement le cas. Pourquoi on voit pas le game là? Oui, Freedom. Tout à fait, Freedom. On va jouer à Kelly. Kelly Rim. À Sky Kelly, je sais pas. Commencez pas.
Je vais boire un petit coup comme ça pour m'hydrater. Vous êtes hydraté hier soir, c'est important de s'hydrater. Hein, Freedom ? La bière, ça hydrate pas. On va continuer les aventures de Kelly Durul. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais pas si vous vous rappelez quand on avait game, on s'était pointé dans un village. Il y a un mec qui s'appelait Fred qui est tombé du ciel. On essayait de trouver d'où il venait. On s'était paumé parce que normal, la map remarche. On s'était paumé et du coup. Et du coup, on avait quitté le game. Kelly était sorti d'une caverne qui n'était pas du tout la bonne. On était sous une pluie battante. Il faisait nuit. On en est là. On en est là. La petite parenthèse que je ferai au niveau des nouveaux modes que j'ai installés. J'ai pas installé de nouveaux modes qui changent quoi que ce soit. J'ai installé presque 35 patchs FR. Donc tout sera pas encore traduit en FR parce que tous les modes n'ont pas eu leur trad, mais il y aura nettement plus de FR. On va pouvoir se permettre de faire beaucoup plus de choses sans être un peu sans mettre les gens de côté, ceux qui parlent pas ou qui ont un peu de mal avec l'anglais. Normalement voilà, on va avoir beaucoup plus de choix. Personne m'écoute, ça marche Nezo, merci. Oh la confiance, ça toi. Mais de toute façon, comme tu veux, il y a que toi qui m'écoute, mec, de toute manière. Les autres sont en train de parler là, regarde-les. Hein. Ils s'en foutent. On pourrait streamer tous les deux là, ils s'en rendraient même pas compte. Merci Frida. Allez, on va passer une game, bande de ouf. Ben voilà, ça marche, qu'est-ce que ça m'emmerde. Ah, attendez, je refais une petite parenthèse, je vais faire ma pub, 2 secondes. Je reviens en chatting. Je fais ma pub, 2 secondes. Vous voyez, là en bas, là, et là en bas, maintenant, il y a YouTube et Instagram. Instagram, j'ai posté 2 trucs pour l'instant. Allez follow, allez partager. Maintenant, votre but dans la vie, c'est de ramener des copains. Ramener des copains. C'est tout ce que je veux, c'est plus de débiles. Sur notre... Non pas pour dire que vous êtes débile, mais vous êtes reconnu. je veux plus... Voilà, ramener des copains. Je veux plus de gens ici. C'est... Toute honnêteté, c'est même pas une question de pognon. C'est je veux qu'on fasse les cons. Ramener des copains, voilà. Faites les fous. Ramenez vos copains, voilà. C'est vous mes copains. Ouais, c'est vrai, j'oublie ce détail aussi. On a tous pas d'amis ici, c'est vrai. On s'est tous retrouvés dans le fait qu'on n'avait pas d'amis. Allez, je repars, mais... Allez follow quand même, ça peut vous faire marrer. Je vais peut-être poster des trucs un petit peu plus divers. On verra bien. Oh, on est il va falloir que tu prennes ton modo et que tu fasses ton ordi, que tu freines la... Je vais pas finir cette phrase. Elle est écrite là, si vous voulez savoir ce qu'Onésia a dit. Voilà. On était là. C'est bien Skyrim, hein, le game là. Le fun. La map marche, messieurs dames. C'est sombre, chef. Bah oui, il fait nuit. Il est gentil, lui. Putain. Attendez, on va peut-être pas attendre. On va se TP parce que je suis persuadé qu'on est parti complètement là où il fallait pas. On était à Farcart. Bandit Bridge. On va retourner à la ville. Parce que, vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez l'idée... C'était d'essayer d'aller là. Mais c'est très clairement pas par là. On s'est retrouvé face à des trucs là, c'était pas nous, c'était pas là où on voulait aller. C'était un cul-de-sac. Donc on va retourner à la ville où on était. Vous avez fini les enfants. Sinon j'en prends un pour taper sur l'autre. Mais littéralement. Méfiez-vous, je suis musqué. Voilà. Ils se battent avec des serviteurs. Ouais, mais c'est normal. Ça. Non, vous comprenez pas. Ils se battent avec des serviteurs. Ils en prennent un pour se taper. Ah, et puis ils se tapent dessus avec. Ah ouais, le fun, là. Elle est où, ma loupiote, déjà? C'est quoi, déjà? Elle? Light.
Ah, c'est bien là. Ah, là on est bien là. Attendez, on va essayer de trouver l'auberge. On va essayer de faire ça RP un peu. On va pas. Oula. La garde de l'aube recherche des volontaires pour lutter contre la menace vampirique croissante. Qu'en êtes-vous ? La garde de l'aube ? Tuer des vampires ? Où est-ce qu'on signe ? Mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. C'est ce que les gens disent tous. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils se fassent arracher la gorge par une meute de vampires affamés. On verra. Si vous changez d'avis et que vous décidez de rejoindre le combat, à ce moment-là. Il ne soit trop tard. C'est quand que Kelly, elle vole les riches, se marie à un Khajiit et devient la conquérante de bord de ciel. Bientôt, bientôt. J'ai une ou deux petites choses à récupérer d'abord. Et t'inquiète, c'est l'objectif. Elle est là, la taverne ? Grey Pine Good. Elle est où, la taverne, dans ce merdier ? Je vois rien, il fait nuit, il fait jour même. Mais putain, la pluie, là, ah, ça doit être là. Jour. Ah, elle se réchauffait un peu. Pardon. Pardon. Non, non, mais vas-y, descends, je t'en prie. Oh, la soirée, là, hein. Par Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. J'ai dérangé le cheval complètement. Bonjour. Ouais. Ah, la déco, ici, bienvenue. C'est particulier. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une shop propre quelque part. Eh ben, ça me ferait bien plaisir. Je vais attendre 5 minutes là. Là. Ah. Regardez le mec jouer du tam-tam. C'est Halloween, ouais, ça doit être ça. Allez, on se secoue un peu. Oui, maman. Kelly, elle va prendre le... Elle va se réchauffer un peu. On va attendre un petit peu. Vous voulez un verre ? Hein ? Ben, ça dépend, qu'est-ce que tu proposes ? Ça dépend. Vous avez soif ? Ou les deux? Bah, toujours un petit peu ça. Bah voilà, rien de ça. Ouais, mais ça coûte de l'argent. On n'a pas beaucoup d'or. Il nous en faut 15 000, hein. Par contre, est-ce que je peux te revendre des trucs? Du jaja, par exemple. Le jaja, c'est pas bien. Moi, c'est de la bière. La bière, c'est bien. Le jaja, c'est pas bien. Tiens. Tu vois, j'en ai déjà dans mon sac. Très bien. Il pleut toujours, là, hein. Prends une pour toi, t'inquiète, j'en ai plein le sac, mec. Putain, il pleut toujours, c'est pas vrai. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Le faquin pérorait la rapière à la main, se vantant de victoire et d'énormes butins. Butin, avec un B. Encore s'y entrer par hasard, Mathilda la guerrière n'avait dit à Ragnar. On n'est pas, on est moins sur Jaskier, mais plus sur le barde de Kaamelott là. Et le frac à des armes a enfin pu parler. Ce vantard de Ragnar, vous ne l'entendrez plus. Sa tête de rouquin a roulé dans la rue. Ouais, bravo, ouais, c'était bien. Bon, je sens qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Un petit rude. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Attendre un petit peu. On va y aller, il va faire nuit, ça va être bien. On va aller voir. T'applaudis pas ça, bah je comprends. Assurance tout risque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, mais la pluie, elle s'arrête jamais. Ah, c'est pas grave, on y va quand même, hein. Qu'est-ce que je te dise. Alors, on va essayer de trouver dans notre chemin dans ce merdier là. Je voudrais c'est par la sortie est que... Bonjour. On dirait la Bretagne, mais ouais. Ah, ça se calme un peu. Ah. Bon, ça m'empêche pas d'être trempé, mais... Attends, je voudrais sortir par l'est. Voilà. Si je dis pas de bêtises, on avait eu Fred là-bas. Tout ça pour faire mouiller Kelly, oui. Sa tête comme ça en Bretagne, oui. Mais je te dis, c'est le... C'est Elder Scrolls, le... Britannia. Mais c'est vrai ça, ouf, enfin. C'était par là, non? Ouais, je crois qu'on était monté là.
Ouais, voilà, le bon vieux cadavre de Fred, il est là. Je sais pas si vous vous rappelez, Flying Fred, il était tombé de là, donc. On va essayer de tenter par là, on va trouver un chemin. Je sais pas, j'arrive pas à parler le français aujourd'hui, c'est incroyable. On va trouver, faudrait qu'on arrive à monter, l'idée c'est d'aller là-haut. Flight Platform de Flying Fred. Au pire, je peux chanter, t'as vu? J'ai pas forcément besoin de... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Sors ta grosse épée là, Kelly. T'es mal, elle traîne par terre. Ah, toi? Bonjour. T'es gentil ou t'es méchant? Malnor, tu es qui? Vous parlez à un vigile de Stendhal. Compromettez-vous avec n'importe quel des draps et nous nous occuperons de vous. Mais c'était quoi les flammes que t'as fait là, Benoît? Bon, on va essayer de pas refaire la même connerie. On va essayer de trouver... Non, je vais pas lui... Arrêtez. Non, mais c'est pas moi qui parle mal aujourd'hui. J'ai du mal à parler. C'est vous qui employez des mots. Aïe, c'est quoi? Oh, il y avait un piège! Pourquoi il y a un piège ici? Cliff Bandit. Oh, ils sont pas là. Ils sont pas là, on va faire le coffre. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh ouais. Ça se revend tout ce merdier, ça se revend. Là, qu'est-ce qu'on a? Les réfugiés. Je prends. Qu'est-ce que c'était? Putain, ils sont revenus. Salade! Viens ici! Allez! Viens ici, Archer! Oh, j'aime bien ta tenue. Putain, il est solide, lui! Nous sommes vaincus! Replions-nous! Oh, il a pris une potion! Putain, il y en a un autre qui me tire des flèches dans l'oignon, là! Viens ici. Allez, meurs! Allez, mais... Merci bien. Il est où, l'autre? Allez! Question bête pour ceux qui savent. Est-ce que le premier Red Dead Redemption, c'est un jeu de piou-piou? Bah oui, c'est dans les cow-boys. Mais c'est un jeu de piou-piou, toute proportion gardée. Tes armes principales seront des flingues. Mais ça reste un jeu d'aventure, etc. Putain, je boite. On n'est pas sur... Enfin, je sais pas en fait trop ce que t'entends par piou-piou. Qu'est-ce que t'as, toi, sur le dos? Eh, pète cette armure, je prends! Je prends. Ah, ça, je te le laisse. Ça fait plus 2 que celle que j'ai là. Flèche de fer, on va prendre aussi. Hunting bow raffiné, merde, ça, par contre. Mais non, Roof, c'est pas ça du tout. Si tu connais Red Dead Redemption 2... Qu'est-ce qui se passe, là? C'est rien, tout va bien. Tu connais Red Dead Redemption 2, c'est le même game, mais c'est le premier. Ouais, la caméra, non, elle était ivre, la caméra. Cherchez pas... Regardez comment elle pète, cette armure. Ben, regardez de plus près, Roof, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas mal, ça! Avec ma grosse peau, là. On va peut-être retirer la grosse peau, attends.
peut-être mieux ça. J'ai une peau en écaille. Bah voilà pourquoi je mets pas ma peau en écaille. J'ai trop de merdier dans mon sac. J'ai beaucoup trop de merdier dans mon sac. Ça, on pêche. Ça, on pêche. Pourquoi j'ai ça dans mon sac? Ça, ça se revend. Ça, on pêche. Ça, c'est une light armor, c'est mieux. Ouais, mais elle me couvre le visage un peu trop, je trouve. Ouais, mais 15 d'armure quand même. On va la prendre, on va la mettre quand même. Voilà, et du coup, sinon, attends, j'avais trouvé aussi une... Two ended, et celle-là, c'est une one ended, juste. Et elle fait le même... Ah, attends. J'ai ça. J'ai quoi comme double épée? J'ai ça et... Celles-ci, elles font 14. 14. Ouais, mais celle-là est moche. On va retirer celle-là. Mettre celle-là. Voilà. Et maintenant, si je veux m'équiper. Voilà, là c'est pas mal. Là, c'est... là on est bien là. Regardez comment elle est classe en plus, Kelly, avec cette nouvelle tenue là. Oh, ils vont faire les foufous. C'est vrai, Wolf, mais je te remercie. Je te remercie de me regarder de très près. C'est faux, Freedom, tu le sais très bien. Ne le nie pas. Quoi, une petite maisonnette, là? Mais moi, je veux juste monter en haut de ma montagne. Foutez-moi la paix. Arrêtez de me mettre des trucs qui vont me distraire. C'est quoi, ici? Greenwood Shack. Toi aussi, Wolf, t'es sage. Silver Necklace, je prends. Septing Lockpick, je prends. Une améthyste, je prends. Attends, il y a un bouquin là-dessous, c'est quoi? Ombre dérobée. Je prends, merci. On se casse. C'est étrange ici. Bon, alors. Par là, peut-être? C'est par là qu'il faudrait que j'aille, mais là, ça descend. On va essayer de monter par là. Ouais, ça me parle peut-être un peu plus par là. Un bouquin, c'est pour ce papier, ça. Merci. Merci. Merci du fond du cœur. Est-ce que je serais-t-il pas exactement au même endroit que l'autre fois? Si. C'est exceptionnel ce qui se passe. Kelly, va falloir faire du cliff walking là, je pense. Là. Ouais, non, là, c'est pentu quand même. Eh non, par là, par là. Est-ce. Bah, faut pas glisser, hein. Est-ce le bon choix de faire ça en pleine nuit? Tout va bien, ça marche. Ça marche, regarde ça comment ça marche trop bien mon truc là. Regarde bien mon affaire, regarde bien mon affaire. Hop là, on s'agrippe à l'arbre. mètres, on peut le faire, on peut le faire. De nuit, ça va être chiant. Il y a un chemin là en bas, j'ai l'impression. On va essayer de descendre. Le regret. Agrippe-toi, agrippe-toi, Kelly, agrippe-toi. Oh. Oh. Eh ben moi non plus, regarde, ça s'est très bien passé. T'as eu ça?
Allez, on va essayer d'aller là-bas. Putain, ça caille. Putain, ça caille. Tout va bien, Kelly. Reprends ta respiration, reprends ton souffle. Voilà. Là, ça me paraît plus quand même être le... Oui, t'as le droit d'être là. Et pas le, la colline verticale. J'ai entendu un loup. J'entends des loups. Oh yes. Ça, je prends ça. Combien j'en ai 3 sur 3. Allez, let's go. Ça fait que j'en ai chopé 6. Du coup, j'ai 3 points de talent. Et j'ai un nouveau level à passer. On va augmenter ma vigueur. Parce que sur le dernier combat, j'étais un peu raide. On en est où Genre à une main. Ça, c'est bon. Est-ce que je peux... Clash of Champions. Les attaques à la... Oui... Tout à fait. Red Dead Redemption. Oui, ouf. Roof. Achète-le. En promo, si tu peux. Mais... achète-le. C'est un bon game. C'est un game avec une story de ouf, avec un monde ouvert. Voilà, parce que si t'as pas envie de te renseigner. Monde ouvert, énormément de quêtes secondaires. Encore une fois, une histoire stylée. Voilà, on va en garder un de côté. Voilà, on a quand même un peu plus de force, là, on est pas mal. Là. Ah bah là, mon petit pote, fais-toi bien plaise, ouais bah... Ouais, ouais, en vrai, si t'aimes les mondes ouverts, bah, t'aimes les mondes ouverts et les cow-boys, mec. Faut aimer les cow-boys. Parce que c'est des cow-boys, hein. C'est... Ah. Est-ce qu'on serait-il pas sur le bon chemin, dis donc? On m'appelle Trinita, exactement, t'as la bonne rêve. T'as les bonnes rêves. Et c'est quoi ici? Suntag, nouvelle découverte. Voilà, ça plus tard, on arrête de se faire... On arrête de se faire distraire. Reprends ton souffle, Kelly, reprends ton souffle. J'entends encore des loups. C'est pas par là, faut que je... J'ai raté un chemin. Par là, faudrait que j'aille où? C'est là, c'est à 130 mètres là-haut, là. Ça se cliffwall que ça ou pas? Encore une rêve de vieux, je sais. Ouais, mais une bonne rêve. Ah, peut-être juste par là, en fait. Tu mets les mêmes baffes? C'est là-haut! Bien joué. Bafologue expert. J'en ai connu un comme ça. J'ai... dans ma jeunesse, j'ai travaillé quelque temps dans une boîte de nuit. Et le videur, c'était un immense nounours. C'était le mec le plus gentil du monde. Mais c'était le videur pour une raison, quoi. Je l'ai vu coucher des mecs en mettant des claques. Juste une baffe. C'était, voilà, c'était pareil. C'était un Bud Spencer. Oh, des escaliers. Tu fus videur dans ta jeunesse. Bah voilà. Je pense que ça vient de là, le coup des baffes.
On y arrive. 40 mètres, putain, on a enfin trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un paraglider. Mais Freedom, tu peux arrêter de vouloir te battre avec tout le monde? C'est pas croyable ça. Iron Boots, non. Tall Laced Boots. Valeur d'armure 0, ça reste là. Tu peux, oui. Mais est-ce que tu vas le faire? Non, mais je comprends. L'avantage, c'est que t'es honnête, hein. On peut pas te reprocher ça. Alors, qu'est-ce que je viens de récupérer? Un paraglider. Et des bouquins. Note sur les chevaux sauvages. Non, c'est pas ça que je voulais. Le journal. Attends, qu'est-ce que j'ai pas lu? Spell Tom, Security to Paraglider, Vampire, ouais. Quelle heure il est? Faut que j'attende le... On va attendre un peu le lever de soleil là. On va regarder le lever de soleil en haut de la montagne. Ah, Freedom! Tu vas te prendre une gifle. Tu vas être comme ça. Allez, viens là. Nuit. Tu vas te réveiller au pub avec une pinte dans la main comme ça. Et Roof qui va te regarder. Bah alors, tu bois pas? Tu regardes la montagne, Kelly? Allez, on va voir. On va aller regarder un petit peu là. Mais il se lève quand le ciel? Salutations, retombée des âmes. Installe-toi, prends un cookie. Bon, messieurs, dames. 2000 modes, certes. 2000 modes, certes. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez vu, c'est une petite amélioration du combat et des visuels. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? La 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 la. C'est classe ou pas ça mon con? Mais non Roof, c'est pas Fortnite. On est plus proche de Zelda Breath of the Wild que de Fortnite. Soleil en arrière-plan là. C'est pas beau ça? Voilà, c'est ça que je voulais aller chercher. Principalement parce que ça va nous sauver la vie plusieurs fois, je pense. On va redescendre tranquillement. Tu connais rien Zelda, ouais. Non, tu connais Fortnite. Un peu à cause de moi, je te l'accorde. Je te l'accorde. Par contre, faut descendre plus vite là. Hop là! Voilà, maintenant, je voulais récupérer ça en priorité. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses un peu. Là. C'est pas de la balle, ça? Pourquoi tu cours, toi? Ok. Il nous faut du blé. Il nous faut beaucoup de blé. Et... le Jarl de Whiterun a dit si t'aides les gens en ville. Ça t'a plu? Ouais, je sais, Freedom. Calme-toi, Freedom, calme-toi. Les deux mains sur le clavier, s'il te plaît. Si t'aides les gens en ville, peut-être que je te laisserai acheter une baraque. Lui, il a des baraques à 5000 et à 7500 à nous proposer. Mais il y en a une petite à 15 000, là.
elle est pas mal. Je pense qu'on va plutôt se fixer sur celle-là. J'ai du Modern Talking dans la tête depuis 3 jours. Chante-la à haute voix. C'est comme ça qu'il faut se débarrasser des... À haute voix et à tue-tête, t'ouvres ta fenêtre. Et tu hurles. C'est comme ça que je fais, moi. Généralement, ça marche bien. Bonjour. Que puis-je faire pour vous ? Bah rien, Violette. Tu passes ton chemin. Pas sur le chat, pas sur... Port. Port. Et oui, c'est ça. Chante en criant et tu fixes les passants droit dans les yeux. Personne n'a besoin d'aide, là, madame ? Notre amitié est une belle chose. Pour vous, je voulais trouver un moyen de vous remercier. J'espère que ça fera l'affaire. Vous avez qu'à tous me filer des trucs en même temps, mais vous m'avez rien donné. Nous de charmants colis fichés, tous créés par le meilleur forgeron de bord de ciel. Ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, mamie ? Vous pouvez peut-être m'aider. T'as besoin de quoi ? Bien entendu, tout est dans cette note. Achat, je vais pas faire tes courses. Allez, prenez soin de vous. Tu m'envoies faire tes courses, là ? Regarde. Est-ce que Kelly a une tête de faire les courses pour quelqu'un ? Jolie babiole pour... Qui est accepté de devenir auxiliaire de vie ? Ouais, non, mais c'est ça. C'est tout beau Blanche-Rive. Ah bah j'ai bossé dessus, là. J'ai bossé dessus pour le rendre beau. Parce que je voulais refaire un run Skyrim, mais... Et le streamer, mais tout le monde connaît Skyrim. Tu vois Et sachant modder un petit peu, je me suis dit, je vais tout faire. Je vais tout. Il y a 2000 mods. Un peu plus même, 2100, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Après, l'histoire de mon personnage... parce que mon personnage a une histoire. Tu peux te relever, s'il te plaît, Kelly, merci. Mon personnage a une histoire. C'est Kelly Duroule. C'est une mamie. Voilà. C'est une grand-mère qui a commencé ses aventures dans Hogwarts Legacy. Qui a continué dans... oui, tout à fait, c'est une mie. Mais Roof, elle a continué ses aventures dans Starfield. Et à la fin de Starfield, il s'est passé un événement. Elle s'est retrouvée propulsée dans le monde de Skyrim. Voilà. Donc, elle a une particularité, c'est que c'est pas l'enfant de dragon. Bah non. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. Bon. Décidément, il n'y a personne à m'aider. Toi, t'es chelou, toi. Ça va ? Alors, vous avez récupéré Fleorty des griffes de ces saletés de Harfreuse ? C'est vrai, toi, tu voulais que j'aille récupérer quelque chose pour toi. Let's go, on va faire ça, j'avais oublié. Parce que je pense qu'on s'était fait taper et on avait abandonné. On s'est dit, surtout moi, je m'étais dit, ouais, non, j'ai pas le level, mais maintenant, il va y avoir revanche. Il va y avoir rejoint. C'était qui ? Achat, mais je vais pas faire tes courses. À Solitude, c'est trop loin. Retrieved away from the Orphan Black Rock, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. On va aller retrouver l'épée de machine pour qu'elle récupère de la sève, je crois, un truc comme ça, je sais plus, j'ai pas tout lu. C'est là-bas. Ok, on va stepper à Riverwood. On va pas aller trop près. Voilà. On va stepper à Riverwood. On va faire une petite balade, on va faire de la marche. On va prendre notre temps avec ce run. Vous savez quoi, on va pas rush les stories comme j'ai fait avec Starfield. Si ça vous plaît pas, c'est pareil. Voilà. Toi t'aimes bien les modes balade, c'est bien. Il nous arrive que des merdes en plus. Ça doit être pour ça que t'aimes bien. Bonjour. Et la nuit retombe. Ouais non, c'est mort. C'est mort. On fait passer la nuit là. J'en ai marre de jouer la nuit. 19h. J'attends 10h, il devrait être 7h du matin. Quelle heure il est ? 5h du matin, je ne sais... Ouais, non, c'était 12h qu'il fallait que j'attende. Je suis un peu con. Maintenant, il pleut. J'ai que ce que je mérite en vrai.
à se le cacher. Onésia, t'as pas vu. Salut le chiffre, comment ça va? Onésia, t'as pas vu, j'ai été récupérer quelque chose en haut de la montagne. J'ai réussi. Attends, je vais grimper là. Est-ce que je peux grimper là? Oui, grimpe. Onésia. Bon là, c'est pas très impressionnant parce que ça va pas être très haut, mais... j'ai un deltaplane. Enfin, j'ai un paraglider. Et bah, le chiffre a ses préférés. Arrêtez d'être jaloux. Bon, c'est là-haut qu'il faut que j'aille, moi. Comment j'y vais? En plus, il pleut, là. C'est bien. Oui, mais Freedom, il faut te parfumer à l'eau de Cologne. Cologne, pas Colon. Pour ça. Ça a dit mon bon Cyrillus. Et voilà, c'est pour ça. Il a mis du musc, ouais. Sponsorisé par Pépé le putois. Le musc, il fait tomber toutes les pépés. Après, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Ça va être là-haut, c'est à 300 mètres là-haut. Est-ce que ça monte ici? Ça monte ici, impeccable. Ça farte. La rêve d'un film. Salut, ça farte. Sacré Brice. Ça, c'est parti d'un sketch. En français ou en anglais, Roof? C'est où? C'est là-haut? Il y a de la lumière là-haut. Et naturellement, le soleil se lève de l'autre côté de la montagne. Donc on voit mes fesses. J'ai l'impression que ce chemin-là descend. Un des films de tous les temps, voilà. C'est exactement la phrase qu'il faut dire. C'est un des films de tous les temps. Ah, c'est pas par là qu'il faut que j'aille sur l'autre côté. Je suis perdu, je suis à peine sorti d'un village, je suis perdu. Merci Roof, merci Frino. Merci à vous deux. Ça, vous pourrez pas dire que je confonds. J'ai dit merci à vous deux. Reprends ton souffle, Kelly. Que c'est ici? Un camp de bandits. Est-ce que le coffre est vide? Ouais, on a déjà looté ici, hein. Ouais, ouais. Comment je vais là-haut? J'avais oublié à quel point c'était... À quel point c'était l'aventure en fait, Skyrim, parce que je ne sais pas comment rejoindre le rocher orphelin qui est à 200 mètres de l'autre côté de la montagne. C'est là, je suis tellement loin. Faut que je remonte sur Elgen. Vas-y, tu sais quoi, on va remonter sur Elgen. Ah! Moi aussi j'étais aventurier autrefois, mais puis j'ai pris une flèche dans le genou. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est pas trop sombre. C'est... Pourtant, je l'ai bossé l'INB, putain. Ah, Osiris et Parapis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Je dois confondre, c'est dingue. Je suis extrêmement modeste, mon bon Roof. Tu sais que là, pour avoir un jeu avec des éclairages comme ça, enfin. Là, c'est vraiment pas le moment de dire ça, parce que les éclairages sont pétés et minables, mais... il faut un reshade, un IMB, et encore un truc dont vous avez jamais entendu parler. Ah, c'est la fin de la map. Non, c'est Elgen, là-bas. Putain, je suis paumé. Ouais, si, c'est Elgen, par là-bas. Let's go. Vas-y Kelly, t'es peut-être sur la bonne voie. Merci, merci le chiffre. C'est un indémodable. Arrête de mentir Freedom. Pourquoi tu fais ça?
T'as rien à prouver ici, hein. Tu sais, ici c'est comme McDonald's, hein. Venez comme vous voulez. Hein. Bonjour. Vous êtes qui? Ah ah, toi-même. Dégage, dégage, dégage. Possible ça. De l'eau, ouais, ouais. Bien sûr. Non mais je pense que c'est mort. Hein. Tout le monde s'est fait une idée de ta personne maintenant. Attends, j'ai encore du monde là dans le coin. Un rare verre d'eau de Freedom. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exceptionnel pour lui. On va sortir d'Elgen. J'entends encore des voix. Hein. Non, ouais. Tu m'as vu ou pas? Tu m'as vu ou pas? Non, il m'a pas vu. Allez, ça dégage! Et l'autre qui va se demander ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus qu'à looter. Je brûle tes glacés, pas froid. Ouais, c'est... Du thé tiède, oui. Qu'est-ce qu'ils avaient? Putain, ils avaient rien. Flèche, les flèches, je prends toujours. Beau. Est-ce que ça fait plus de dégâts que le mien? Peut-être, hein. Moi, je crois que j'ai un vieil arc nul encore. T'as rien d'autre sur toi? Non. Attends, bouge pas. Il est où mon arc à flèche? Ancien de Nordbo, 15. Et celui-là, 14. Allez. On laisse ça par terre. Tiens. Oh, tiens-le bien. Bien joué, monsieur Nezo. Ça, on prend. Au fait, Nezo et Onesia, vous m'avez laissé des Pringles ou pas? La perfection n'est jamais dans l'homme, mais parfois dans ses attentions. C'est Batman, ça, non? C'est pas Batman qui dit ça. Bon, là, c'est Batman. Hein. Si, c'est Batman. Et vous m'avez pas laissé de... Attends, c'est pas grave. Amical ou pas? T'es amical ou pas? Bon. Excuse-moi, pourquoi je me pose la question en vrai? Voilà, bouge pas, fixe-moi, essaye d'être menaçant. Level 17, hein? Putain, il va vite. Kelly, cours! Glissade! Viens ici, fumier, viens ici. Ah, t'étais trop loin, recommence, je t'aide. Raté. Oh, il était moche celui-là. Qu'est-ce que t'as sur toi? T'as beaucoup de viande. Petite bière, je prends. Petit encart, je prends aussi. Merci pour ta contribution. Robin des Bois, prince des voleurs. Là, vous pouvez admirer les petits God Rays à travers les arbres. Je sais que ça fera plaisir à Cyridus. Donc c'est son moment.
Alors on peut y aller. Oh, Nika est de retour. Oh, pourquoi? C'est bien passé, Nika? Il y a un mec qui est en train de forger un truc quelque part, là. Bien joué, bien joué. Regardez, hé, hé, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'étaient pas là, regardez ce que j'ai, regardez ce que j'ai, regardez ce que j'ai, regardez ce que j'ai. Allez, regardez, 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 vous êtes prêts? C'est stylé ou pas? ...2100 modes les loulous. C'est normal qu'il y en ait certains qui paraissent un petit peu chelous. Un ou deux. Voilà. Mais non! Je vais pas mourir! Attendez, il y a un mec là-bas. Méfiez-vous, il y a un mec. Ah, ça serait par là qu'il faut que j'aille. T'es sympa, toi? T'as l'air gentil. Bonjour. Ça va? Tu es qui? Si vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel, dites-leur de se rendre à Vendôme. Ulfric Sombrage souhaite les voir. Ça marche, je dirais ça. Ah, vous êtes beaucoup là les gars. Ah bah il y a un petit camp là, non? Ah mais c'est que vous avez un petit campement dans le coin les gars, ça va? Ça, ça biche? On se tient au chaud? Oui, bonjour. Alors, c'est par là que je dois aller. On y est presque. 4. Dis-moi, toi, Benoît, tu serais pas un vendeur par hasard? Il vous faut quelque chose? Bah ouais, 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 roule, roule. Dégâts 14. Mes armes font déjà 14 de dégâts. Hunting Bow 12, ça c'est non. Ursine Steel Sword, c'est une épée du Witcher ça. Ouais. Non bah ça m'intéresse pas, écoute ce que tu vends. Ok, on y est presque. C'est où c'est? C'est au rocher orphelin qu'il faut que j'aille, c'est en bas? Oh, je me suis fait repérer direct là. C'était quoi ça? Oh la musique de la fuite là. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Level 4, ça passe. Du petit bois, tu vas finir. Vas-y, arrête, tu me chatouilles avec ton électricité là. Mais enfin. Mais qui c'est qui... C'est bon, c'est bon. Bien joué à tous, bien joué à tous. Attends, parce que je vais tenter quand même. Oh bah non, vous avez rien. Les mages, ça a jamais rien. Regarde ça. Ah, un petit sac à dos. 50 et increase maximum by 5. Bon. Autant pour moi, j'ai rien dit. Le petit sac à dos, il est mieux que le mien là tout de suite. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Il est où mon sac à dos à moi? Il est où mon sac à dos, sac à dos? J'ai pas de sac à dos aussi, c'est celui-là. 30 et celui-là. Ça. Non, non, remets ton armure. Et bien ce petit sac à dos. Allez, salade! TF5! Allez, salade! Oh non, 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 non. Comment je fais pour te rejoindre, toi, connasse? Tu veux jouer à distance, vas-y, fais tes boules de feu. Oh putain, oh épique. Level 20. Elle s'est visée là, harpie. Je t'ai raté. Esquive.
Mais elles ont beaucoup trop de zones, ces boules de feu, c'est de la triche. Allez, tu sais quoi? Avoir une petite potion. J'arrive. Tu ne griffes pas les gens comme ça. On l'a tous vu en live, Alienka. C'est ça qu'il fallait que je récupère. Nettlebane. Et on a récupéré des petites plumes. Tu fais moins ta maline là, hein. Bah ouais, j'ai mal, bah ouais. Salut Marine! Installe-toi! Prends un cookie. Have a cookie. I don't know which language... Which language would you prefer? Bois ta petite pinte. Bois ton petit encart. Il y a un petit coffre là dans le fond. Septime flèche de fer. Iron sword of quoi? Attends. Ouvre le coffre. Non. Merci. Dorian 89. Ouais, je prends les classes et je crois qu'elle tape plus que mes armes actuelles qui font 14. Ouais, voilà, j'en ai une à 15 du coup. Elle est où? Elle est là. Voilà, on va la mettre en F. Et on va virer celle-là. Oh, on va garder la Corsair Sword quand même parce que je l'aime bien. Et on va... Non, on va garder celle-là. On va garder celle-là, voilà. Et malheureusement, on va virer la Corsair Sword. Ok, let's go. Mais je sais bien, mon bon... Je sais bien, mon bon Freedom. Elle est pas mal, elle est beau gosse en plus, TP. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Un rubis. Un autre rubis. Ah, c'est bon. Est-ce qu'on a d'autres? Death Bell, ça se revend bien aussi, ça, je crois. Ok, 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 ok. Il faut qu'on retourne à Whiterun. Qu'on retourne à Whiterun. Attends, parce qu'ils avaient un petit campement aussi, eux, là-bas. Je me faisais tirer dessus, mais... Refuse poliment les couilles. Je vais pouvoir ouvrir ma map, Anienka, sans aucun problème. Laisse-moi crocheter cette serrure. Et pour la peine, Anienka, je t'invite à partager des cupcakes pour ceux qui ne voudraient pas de cookies. Merci bien. Alors voyons, je devais donc me TP à Whiterun. Je vais patiemment ouvrir ma carte qui fonctionne. Nous allons nous rendre à Whiterun. Et voilà. Ah, ça vous épate, hein. Je m'hydrate. Bon, après vous en faites un peu des caisses. Oui, hein, ma map buguait. La 2100 mode, à un moment, c'est normal que ça soit incertain. Ma map buguait au stream dernier. Et comme je disais pareil au début du stream, j'ai installé 35 nouveaux modes, mais qui sont principalement des traductions. Donc il y aura énormément plus de contenu, au moins sous-titré FR. On aura peut-être toujours des voix anglaises, mais ce sera au moins sous-titré FR. Vous avez vu ce petit coucher de soleil là quand même? C'est pas beau ça, monsieur dame? Bonjour.
mon ordi. Hein. Mon ordi, voilà. Là, là, quand je marche. Je suis à 45-50 FPS dans White Run. Là, là. Sur ce plan-là, je suis à 43 FPS. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille rendre ? Ça va être dans le... Ah, dans le temple, là. Il paraît que la garde de l'aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires, maintenant, dans le vieux fort près de Fayez. Eh ben, écoute, c'est bien. J'ai presque envie de me joindre à eux. Eh ben, joins-toi à eux. Non, pas les vampires. Qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé au Vermidor ? J'ai voyagé longuement pour prier sous ses branches. Dans une osie, peut-être. Sur lui. Peut-être. J'aurais aimé pouvoir m'en occuper, mais j'ai déjà beaucoup à faire avec les soldats blessés. Oh, je vous en prie, ne le laissez pas comme ça. Il y a que des gens au bout du roule ici. Pas le temps de... You want something? Rien. Du travail, laissez-moi maintenant. Mais ce doit être votre travail. Danica. Alors, vous avez récupéré Fleorti des griffes de ces saletés de Harfreuse? Oui. Oh, je ne pensais franchement pas vous voir revenir. Ah, la confiance, hein. Je suis fort ravie. C'est à Kélid. Je ne tiens pas vraiment à la toucher. Hmm. Pourriez-vous la garder encore un peu sur vous? Pourquoi tu tiens pas à la toucher? Attends, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui... Regarde, t'as Jésus qui est en train de te prier juste à côté, hein. No pressure, Danica. Le bosquet du sanctuaire du Primarbor se trouve à l'est. Je sais pas. Utilisez Fleorti pour récolter un peu de sa sève. D'accord, faut vraiment que je fasse tout, en fait. Que vous voyagiez jusqu'au bosquet du Primarbor. Oui. Est-ce la vérité? Je peux t'aider quoi? Je suis un voyageur, un pèlerin. Je suis la voix de Kinaret, partout où je l'entends. Cela fait des années que je rêve de voir le Primarbor. Oh, Onésia était pire que Freedom sur celle-là. À vos côtés, tu veux voyager à mes côtés? Vous déranger. Tu vas... Ah merde, Isamel... J'allais dire non, mais le mec s'appelle Maurice Jondrel. On dirait très clairement le blaze d'un mec interviewé dans Groland. Maurice Jondrel. Parce que t'as un bon nom, tu viens avec moi. Je vous remercie pour votre gentillesse. Allez, viens Maurice. Ça, Maurice? Je suis pressé. Voilà, va pas falloir commencer à me parler comme ça, mon pote. Sinon, je fais du RP walk sur tout le chemin. Ça, les gars, ouais, t'as l'air au bout du roule, toi aussi. Hein. Tellement mal que je ne tiens pas debout. La maison du bout du roule. Voilà. Je n'en peux plus. Je veux que ça cesse. Ouais, voilà. Alors, c'est où ce merdier? Où est-ce qu'il faut qu'on aille? Oh là là, mais c'est loin! Remarque, on peut en profiter pour aller à Riften. Pourquoi il n'y a pas de RP Walk là? Tu sais très bien pourquoi, Freedom. Tu sais très bien pourquoi. On va stepper à cette tour là. On va essayer de voir comment ça se passe là-dedans. Si on a déjà un peu le level. Et ensuite, je pense que on va peut-être pas retourner immédiatement là, on va aller sur Riften après. Je dis ça, le plan que j'ai en tête là, à la vitesse où je game, ça va nous prendre tout le stream, hein, je préfère vous le dire. Voilà. Installez-vous. Ils sont traités de manière moldavienne. C'est un peu chaud. Bon, Maurice, tu suis jusqu'au bout, hein, Maurice. Va pas crever dans mes pattes, hein. J'ai pas énormément de potions, donc je vais les garder. Que ce soit clair entre nous, Maurice. Putain, c'est loin, j'ai toujours pas de cheval. Faudrait que je tente de capturer un cheval aussi. Faudrait que je fasse trop de trucs, en fait. Ça marche, le chiffre.
mis ta petite capuche, Maurice ? Je me méfie quand même, toi. Je suis pressé. Ah ouais, t'as décidé de pas me parler, en fait. Ok. Le voyage, il va être bien, là. La bonne ambiance, là, la fraternité, la camaraderie, là. Fox, là. Coucou. Eh ben, il est pressé, je sais bien. Il est pressé, mais moi, je l'emmerde. Le problème, il est là. Tu vois, c'est... il y a un conflit d'intérêts. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça. Pourquoi il y a un petit feu là ? Oui. Il y avait pas une tête de truc sur un pic là ? Si, ouais. Si. Ça marche ! Ah. Qu'est-ce qui se passe dans le coin? Rien dans ce merdier. Ça fait des petits rituels là en scrud. Rocher de Berk. Qu'est-ce que je viens de découvrir ça? Ah mais non, mais c'est les... c'est les géants ça, non? Ils m'ont pas l'air très grands. C'est pas des géants, ça? C'est des ogres. Ouais, on va leur foutre la paix. Non, c'est pas le... c'est pas le bon game. Dans les buissons. Qu'est-ce qu'on a, là? J'ai entendu des loups. Maurice, t'as même pas une petite dague sur toi. T'as rien. Tu les entends pas, les loups, là? Putain, le mec, il a même pas une cuillère en bois sur lui. Ah, les voilà, les loups. Qu'est-ce que tu fais, là, Maurice? Je vous en prie, faites vite. Le Primarbor nous attend. Maurice, je t'ai déjà dit, je prendrai mon temps. Qu'est-ce que c'est ici? Flèche d'après-feu, nouvelle découverte. Pas très grande tour. La lune du nécromancien. La lune. Note d'avertissement de l'ordre du ver noir. Ordre du ver noir. Ouais, ça. Petite tourinette. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir. Ah bah non, il faut une clé. J'ai pas la clé! Merci pour le follow retombée des âmes, c'est cool. Ça fait plaisir. Et merci d'être passé, écoute. Si tu reviens du Skyrim, demain 16h. Pas de soucis, je serai là. Et bon game à toi, écoute. Il est parti jouer à Skyrim. Je lui ai donné envie. C'est tout. Alors Maurice. Maurice, j'espère que t'as un paraglider parce que là, je vais faire un truc. Je suis pas sûr que tu suives. A tout de suite, Maurice! Je crée des envies, exactement. Et aussi des envies de gaming. Maurice ! Maurice, tu viens ? Il est en train de paniquer, là. Il doit faire le tour comme un fifou. Et donc, là-bas, c'est des géants. Les géants, on va leur foutre la paix. J'espère que Maurice, il a sauté, parce que sinon... À tous les coups, il a pris un raccourci. Joli, ça. Tu peux grimper, ça? Allez, grimpe. Non, bah c'est pas pour redescendre derrière. Oh la nulose.
feu de camp ou c'est... Non, c'est des petits geysers. Attends, il y a un camp là-bas. Bonjour, vous êtes gentil ou méchant? Bah, j'espère que pour vous, vous êtes gentil, vous êtes tous à poil. Bonjour. Ça va, vous vous mettez bien? Ça, c'est une soirée Freedom, ça. Ouais. Ça. Ça, c'est une soirée Freedom, ça, où je m'y connais pas bien. Il y en a une qui dort là, pépouze. Tous au coin du feu, sur les pots de bêtes. Vous avez raison, profitez de la vie. Dans une petite demi-heure, là, le soleil va se lever, ils vont commencer à se faire des petits massages. Maurice, t'es où? Parce qu'il y avait un pont, là, juste là-bas, en fait, pour traverser, mais... Hein? C'est optionnel, les ponts. Ah bah, j'y suis arrivé. Eh, je suis arrivé là où je voulais aller, c'est quand même... quand même pas mal. Sanctuaire du prime abord. Maurice? Oh, je cherche la merde là, mais pourquoi j'y vais? Je, dans ma petite caverne, moi. Je vais aller dans ma petite caverne, là. Pas de loup, là. Pas de loup. Merde, ça n'a pas chassé, on m'entend plus. Une véritable ombre. 1v1, ouais, ouais, j'y vais, là. Je... J'ai pas... J'ai oublié mon short de sport. Je peux pas. Idom, arrête. Ah bah, t'es là, Maurice! T'es rentré vite. Ah bah il s'est pressé de rentrer parce qu'il y avait le... Il a entendu le dragon. Maurice, tu me fais pas repérer, hein, sérieux. Donc là, faut aller récupérer de la sève. Ah, il était pressé, ouais, ouais. Y'a dans ce putain de merdier. Pourquoi je fais toujours mes aventures de nuit? Vous pouvez m'expliquer? Voilà, après je suis dans une cave, tu me diras. Ça, de jour ou de nuit, ça va pas changer grand chose, mais... Mais quand même! Ça suffit, Freedom. Ça a l'air d'être calme. Bonjour. Pourquoi ma caméra fait ça des fois? On se pose pas de questions les mecs, on se pose pas de questions en avance. Bonjour. Tu vas me mettre une flèche dans l'oignon toi ou tu... Bien le bonjour. Ah bah non. Est-ce que vous venez profiter des merveilles de ce magnifique sanctuaire comme moi? Il est remarquable, n'est-ce pas? Tu bouges pas, j'arrive. Qu'est-ce que... Caméraman, il doit... Ouais, ouais. Bon, je soupçonne quel mode c'est et je peux juste le désactiver dans les options au pire si vraiment ça continue. Mais là, deux fois de suite, c'est bizarre. Ça va?
Vous voyez ces guerriers de l'enclume? Ils ont des épées à lame courbe. À lame courbe, oui. Bah, d'accord, mais c'est quoi ce lieu? Vous voici dans le sanctuaire du Primarbor. Ce n'est qu'un aperçu de ce que Kinaret peut offrir. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Il n'y a pas de Kinaret dans le beefsteak. Cet arbre? Vous avez vu juste. Cela dit, personne n'a jamais pu s'en approcher. Imagine si les gens se comportaient comme ça. Pourquoi on peut pas s'en approcher? Comme vous pouvez le constater, les épaisses racines du Primarbor empêchent quiconque de s'approcher de son tronc. J'ai pourtant entendu parler d'une arme face à laquelle le Primarbor lui-même écarterait ses racines. Ouais, je l'ai là. Elle lui inspirerait une crainte réelle. Je vais le faire flipper. Je veux dire, cette arme? Ces rumeurs disaient vrai. Oui. Je vous en supplie, n'abîmez pas cet arbre. Oh, vous n'y gagneriez rien. Oh, je vais tout cramer. Oh, madame, croyez-moi. Asta, crois-moi que je vais tout parler. Je vais tout cramer déjà. Je vais faire un peu de lecture, là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Je te laisse tes bouquins, mais... C'est quoi dans le sac? J'arrive pas à viser le sac. Ah, dégage de là! Il y a quoi là-dedans? Bon, il n'y a rien d'intéressant, t'as de la chance. J'ai l'impression que Maurice me juge un peu, là. Maurice Jondrel. Alors! C'est là où qu'il faut aller. Bonjour. Il faut carrément que j'équipe l'arme. Oh, c'est pas bien. Elle est où, là? Bah, dégage! Merci! Bon, pas trop beau. Mon patron, mais... Onésia? Non? Ah, dans ce sens-là, tu préfères? Voilà. C'est que je l'avais pas dans la main principale. Allez, laisse-moi cueillir ta sève, là! Non, toute la merde, on va regarder un peu. S'il n'y a pas des petits trucs à looter, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Une toute petite hache. C'est mignon. C'est de la merde, mais c'est mignon. On le met dans notre collecte. Il nous faut vite une baraque pour qu'on puisse commencer à collectionner des trucs nuls. Quoi? Ah! Ah! C'est... Dégage! Oh! Putain, ça se remet de la vis, merdier. Je te laisserai pas m'attaquer. Dégage, 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 dégage. Maurice, t'es où, là? Ça s'est remis de la vie. Oh, parade. Allez! Tu restes au sol. Je défonce la nature, je défonce tout. Je défonce Groot. Madame Groot. T'étais où, Maurice? Tu m'as pas aidé, là. On se casse, il y a une ambiance de merde. Putain, mais ça m'attaque de trop loin. Non! Voilà, je monte le prix de ces merdiers-là.
Est-ce que tu peux mettre sur un post-it, mettre le disco à 20, 40, 100, 250 000 points. Bien joué, Freedom. Tu m'as eu. Pas encore. Bon, du coup, tu sais quoi, au pire, zéro fuite, salade. Ah, tu te remets de la vie, je te vois quand même. Meurs. Hop là. On va avoir une petite potion. Tu mourras d'une autre façon. Ouais, je sais bien, c'est ça de pire. Y'a pas moyen de même de manger un petit bout de viande là, je suis pas en combat. Petit bout de viande. Stamina régénération. Mais je m'en fous de la stamina. Si, c'est bon. 3%, c'est pas beaucoup, 3%. J'ai un sweet roll. Health régénération. Mange un petit sweet roll. Pas mal, ça. C'est pas beaucoup, hein. Faut que j'apprenne à faire des potions, en vrai, je pense. La bouffe a changé, là. La bouffe a changé, tu vois, c'est que le stamina, ça régénère le stamina, il y a que les trucs un peu... En fait, la viande basique à la con comme ça, c'est uniquement le stamina. Pour l'instant. Après, il faut vraiment que je fasse des recettes et d'autres choses. Bon, pas ça, mais parce que, voilà. Pour avoir de la bouffe qui me régénère de la vie. Après, je fais mon con aussi, parce que je crois avoir des sorts de magie quelque part. Hein. Là, maximum mending, j'ai ça aussi, hein. Voilà. Mais c'est parce que j'oublie de le faire en fait. Toi t'es archi mal. Voilà. Maintenant ça va chier. Coucou! Disparais pas, reviens! Ça c'est fait. Et du coup, le troisième qui a eu raison de moi, il est où? Ah, ils sont en train de s'attaquer aux autres là, du coup, je peux me barrer en scrun. Impeccable. Tu suis Maurice, hein? J'ai plus de stamina, c'est bien. Casse-toi de là, Kelly. Ouais. L'héroïsme. C'est bon. Encore de l'excellent travail, Kelly. Kelly mérite bien son pseudonyme. Je ne sais pas quel est le pseudonyme. Je vous laisse décider. Ça va? Il est où Maurice? Putain, le dragon il est encore là. Kelly fugitif du rouleau, ouais. Ok, du coup ce qu'on va faire, j'ai dit qu'on irait à Riften, mais j'ai bien peur que Maurice continue de me suivre si je vais pas finir la quête. Donc on va retourner à Blanche Rive et on se retépera là. Du verbe se TP et du verbe se re-TP. Je me re-TP-rai. Après ça devient compliqué quand tu mets au plus que parfait ou au conditionnel ou au subjonctif. Et encore eût-il fallu que je me re-TP-ette ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas... Juste TP, oui. Il y a un poulet, voilà. Bonjour madame. Monsieur dame, bonjour. C'est bon, j'ai ta sève là. Tu vas pouvoir arrêter de me faire chier maintenant. Trouver la sève du...
Je viens à peine d'arriver. Laisse-moi au moins le temps. Alors, on va fermer la porte. Bonjour. Avez-vous trouvé la sève du Prime Arbor ? J'ai la sève. Quelle bonne nouvelle. Elle me servira à guérir l'arbre. Merci de votre aide. Faut que je la prie aussi, tu crois ? Que les dieux vous bénissent. C'est toi le dieu béni. Ok, ça fait deux personnes qu'on a aidées sur cinq. La douleur est insoutenable. Eh ben, mets fin à tes jours. Non, faites pas ça. Ou faites-le dans un jeu vidéo. Mais c'est tout. Alors, qui d'autre ? On va aller à Riften après, juste après, mais il faut que je vérifie si j'ai pas une quelqu'un qui veut parler, qui a besoin d'aide ou une connerie comme ça dans le coin. Personne n'a besoin d'aide là ? Pain tout frais, tout juste sorti du four. Jolie babiole pour votre femme, toute créée par le grand Théorlund, grise toison en personne. Pourquoi dans l'éditeur de personnages, même avec tous les modes du monde, hein, ils sont mûrs, j'ai pas pu faire une vieille comme ça. Les légumes sont frais ? La vie est déjà bien assez dure comme ça, avec tous ces hommes qui me font la cour. Cela dit, ce barde était vraiment le pire de tous. Un barde ? Quel barde ? Il y a ce barde, là. Ouais. Ce Michael, qui va finir par se retrouver avec une dague au travers de la gorge s'il continue à se comporter comme ça avec moi. Je l'aime bien déjà. J'ai entendu se vanter à la jument pavoisée. Il disait qu'il me conquérerait comme les vrais nordiques. Jument pavoisée. De les bêtes sauvages. Tu veux que... Tu veux que j'aille lui parler, Michael ? Tu veux que Tati Kelly elle aille lui toucher deux mots ? Essayez, si vous voulez. Cela dit, je ne suis pas sûr que vos propos arrivent jusqu'à son crâne creux. Rohanienka. N'oubliez pas, fruits et légumes frais tous les jours. La plupart du temps. Ça marche. Bah écoute, on ira faire ça. Ou on peut même peut-être aller lui chercher des noises maintenant. C'est à côté, non ? C'est dans divers. Voilà. Tout juste sorti du four. C'est où ça ? Bah c'est à côté. Allez, on va lui parler. On va aller faire chier le barde, tiens. On va arriver comme une barbare. On va retirer la capuche. Vite à la jument pavoisée. Jolie babiole. Exactement. Oh, elle est belle celle-là, je vais te chanter du Baudelaire, tu vas parler espéranto. Merci, merci. Non, je vous en prie, pas d'applaudissements. Que dites-vous ? Une autre chanson ? Oui, eh bien d'accord. Bienvenue. Allez ! Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Ah, il se barre. One of these days, toi qui chante. Get something that's more comfortable to wear. Eh ? And easier to put on. Ouais, bravo. Se vantant de victoire. Je suis barde de métier. Vous avez peut-être entendu parler de moi. Alors tu laisses Carlotta, la vendeuse de fruits et légumes, là, pépouse, hein. Parce que sinon, Amy Kelly... C'est Carlotta qui vous envoie, n'est-ce pas ? Oui. Je suis désolé, mais cette veuve flamboyante est à moi. Elle ne le sait pas encore, c'est tout. Ouais. Du coup, tu la laisses tranquille, sinon, bah... Oula, alors, je ne voulais pas vous mettre en colère. Je le jure sur l'honneur, je n'importunerai plus Carlotta. Merci bien. Le plus dur est de partir. Possible. Ah, parce que j'étais pris dans le banc. Oh, le mec, il est en mode elle est à moi, il se dégonfle. Oui. Ouais, mais en même temps, c'est Kelly, mec. Eh bah dis donc, Danica, tu devais pas aller sauver un arbre ou je sais pas quoi. Je te retrouve à picoler au pub. Ouais, t'as raison. Je peux pas t'en vouloir. Faut pas lui en vouloir. Gros imbécile. Vous ne savez rien de nos luttes, de nos souffrances. Rien. Rien ? Que faites-vous de mon fils ? Que faites-vous de Thorald ? Il ne compte pas. Alors ne me priez pas qualité, fraîchement ramené des terres. Votre fils a choisi son camp, même s'il l'a mal choisi. Maintenant, il n'est plus de ce monde.
C'est le prix de la guerre. Plus tôt vous accepterez sa disparition, mieux ce sera. Je n'accepterai jamais sa mort. Mon fils est toujours en vie. Je le sens au fond de mon cœur. T'as raison, alors, ami. Dites-moi, guerrier né, où ne laisse pas faire. Où est-ce que vous retenez mon Thorald? Vous croyez cette vieille chouette? Si je le retiens, je l'ai enfermé à la cave. C'est mon prisonnier. Regardez les choses en face, bougre d'Anès. Bougre d'Anès, il lui a dit. Votre fils est mort. C'était un traître au service des sombrages. Sourcil. Et il a été traité comme tel. Quant à vous, vous feriez mieux de vous taire si vous ne voulez pas subir le même sort. Venez, père. Nous n'avons plus rien à dire. La meilleure qualité, fraîchement ramenée des terres sauvages. Tu vas te laisser parler. Tu vas te laisser parler comme ça, mamie? Mamie? Tout ce que j'ai à l'esprit, c'est mon fils, mon Thorald. On dit qu'il a été tué, mais je n'en crois pas un mot. Je sais que mon fils est vivant. Ces guerriers nés, ils sont de mèche avec les impériaux. Ils ouais. sont au courant de tout, mais ils me mentent. Ellie, ça fait deux semaines qu'elle est dans le bled, hein, et qu'on est rien. Et comment tu sais qu'ils mentent? Comment tu sais que ton fils est vivant? Non, ça on va pas lui demander. Et comment tu sais qu'il mente en fait? Il n'est pas judicieux d'en discuter ici. Je vous en prie, si vous souhaitez sincèrement m'aider, retrouvez-moi chez moi. Je vous raconterai toute l'histoire. Bien sûr. Je viendrai dans la soirée. You would? Oh, that would be wonderful. Vous avez assez de la soupe aux croûtons? Marre du poisson et du poulet? Faites-vous plaisir en famille. Bon, un bon steak, Kelly. Des côtelettes bien tendres. Tu connais ça, ouais. Kelly. Va dire, comment elle s'appelle elle déjà? Carlotta. Ils sont mûrs mes fruits, ils sont frais mes légumes. Bien mûrs tes fruits. Directement cueillis des champs et des vergers de Blancherive. T'as pas eu le temps d'accorder ta bâche, j'étais trop rapide. Michael, il va plus te faire chier là. Oh. Vraiment? Ouais. Vous avez convaincu ce joueur de lutte d'arrêter de me harceler? C'était une dure lutte. Bien les dieux. Mais je vais plutôt vous remercier, vous. Ouais, remercie-moi. Tenez, plutôt. Voici quelques pièces pour ça, votre je... aide. Ouais. 400 pièces, c'est bien, 400 pièces. Mais les hommes s'intéressent souvent à toi ou... Vous n'avez pas idée. La moitié des hommes de Blancherive m'a déjà demandé en mariage. La moitié des hommes de Blancherive et Freedom. Ils ne comprendront jamais. Tous les bouquets de fleurs et tous les mots doux du monde. Et potentiellement Cyrillus aussi. Ce qui compte pour moi, et moi donc moment, une dure lutte. Voilà. Aucun homme ne se mettra entre moi et mon petit ange. Ça marche, Carlotta. Bah écoute, je vais te laisser à tes fruits et légumes. Vous en avez assez de la soupe aux croûtons? Marre du poisson et du poulet? Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak ou des côtelettes bien tendres. Côtelettes bien tendres. Mais cela pète trop jamais de la vie. Arrête, arrête. Évidemment, toujours de la vie. Tu le sais très bien, Freedom. Bon, faudra retourner voir mamie un soir. Mais là, en attendant, on a dit qu'on allait à Riften. Parce que j'ai envie. Et on va se TP. On s'était arrêté là. Voilà. Ça, c'est un truc. Ces deux trucs-là, c'est des mods qui me les ont automatiquement mis cliquables. Du coup, j'estime que c'est cheaté, donc je vais pas m'en servir. Là, on vient du sanctuaire de prime abord. Ok, let's go. Pourquoi tu te mens à toi-même? Je te juge pas, hein, je te pose simplement une question. Pourquoi tu te mens à toi-même? Voilà le dragon. C'est quoi ça là-haut? On se casse. Je préfère que je mange avec ton café. Oui, c'est bien. Par contre, j'en ai marre qu'il fasse nuit. Toujours me balader de nuit alors que j'ai des putains d'éclairages stylés quand il fait jour. Calme-toi, Freedom, calme-toi. C'était... c'est une boutade. Je vais aller là. Tu pourrais me mettre un petit marqueur, s'il te plaît? Merci. Il est où, mon petit marqueur? Il est là-bas. Putain, c'est loin. Allez, let's go. Apparemment, il y a un dragon dans le coin, donc on va peut-être éviter les dragons hein, pour l'instant. On commence déjà à peine à sortir des bandits. C'est pas pour taper un dragon. La confiance, elle est pas encore là.
ça... D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est ici? C'est quoi ça? Il n'y a pas une route? Y aurait-il pas une route dans le coin? Faut croire qu'il n'y a pas de route. On va passer la petite barricade. Hop là. On est dans l'enclos à chèvres. Super sombre. Voilà. Eh oui. Eh oui. C'est quoi ici? Bonjour. Darkwater Crossing. Ça va ici? Et un petit, petit truc en face. Rattraper le pont là, non? Si je dis pas de bêtises. Récupérer le... Diamant, récupérer le pont. Oui, voilà, c'est ça. Ça va m'emmener sur la bonne route après. Après, j'aurai une route plus palpable. Let's go, on va faire ça. Bon, là, va falloir se mouiller un peu, je pense. Mais... Ou pas, attends. Il y a peut-être moyen de bricoler un truc. Si... Je me mets là, là. Non, ben... Bon, bah ça s'est pas passé comme je voulais. Du coup, je suis trempé. C'est bien. C'est bien. Voilà, c'est là. C'est quand même plus joli avec de la lumière, non? Quand le soleil, il est là et pas derrière une montagne. Je suis un peu humide, ouais, ouais. Là, Kelly est un peu humide. Remets ta petite capuche, Kelly. Voilà. Là, normalement, il devrait, conditionnel, y avoir une route à un certain moment. Yes, là-haut. Impeccable. Voilà, on y arrive. On y arrive. Darkwater River. Ça me chagrine, j'ai l'impression qu'il n'y a rien derrière la cascade. Ah mais c'est peut-être là, l'autre cascade là-bas. Ouais. Parce que sinon c'est un jeu nulos. Hein. S'il n'y a rien derrière la cascade, on va se le cacher. Alors moi je vais aller à Riften, c'est où? Là-bas, let's go. Cabal Kelly, ouais, je te fais sprinter en côte, ouais, mais... Je peux le faire, t'as vu. Putain, le dragon, il fly toujours là-bas. Comment je vais tellement éviter la zone? Je vais tellement éviter la zone. Regarde ça, c'est l'automne, tous les arbres ils commencent à être... Là, renard. Ça va? Qu'est-ce qui... Oh! Oh le gros gibier là. Oh imagine les steaks là. Oh je suis en train de faire une erreur. Oh, je l'ai raté. Calme-toi, calme-toi, petit Fox. Calme, calme. Calme-toi. Il y a des structures là-haut. Et il revient. Donc toi, derrière un buisson, Kelly. T'es pas du tout planqué, Kelly. T'es en train de paniquer, Kelly. Là. Ah
Oh, je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, il est vénère. Je l'ai pas eu, il est vénère. Viens ici, fumier, viens ici. Possible ça, gros chat va. Manuel loot, merci. On peut récupérer ses dents, on va se faire un... On va se faire un quelier avec. Et de la peau. Ok, let's go. Normalement, si on suit la route, ça devrait bien se passer. Encore une fois, le conditionnel est très important dans cette phase. Eh oui! Eh oui, bonjour madame! Non, bonjour. Nous allons à l'hôtel de Kinaret à Blanche Rive. Il paraît que le Vermidor n'a jamais été aussi beau que depuis qu'il a été soigné. On dit que manger un de ses fruits fait gagner quelques années de vie. Eh oui, ça va? Eh oui. Mais du coup, tu... T'as laissé tout ton petit campement là? Ça te dérange pas si... Talos, notre erreur. Ah, c'est de la merde, ça. C'est un petit... Et elle a laissé tout son... Ah. Elle a ouvert, elle a allumé son feu avec un cadavre. Finalement, madame, on va vous laisser tranquille. Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est quoi? Oh, ouais, non. Ouais, je vais juste marcher là. C'est écolo. Oui, remarque, effectivement, c'est écolo. Pépouze, là, elle vient de tuer deux loups. Non, non, on va mettre un peu de distance entre elle et nous, là. C'est vrai qu'il n'y a pas de souci, ça recycle. Hein, c'est du recyclage. On va voir les choses comme ça, histoire de ne pas la contrarier. Il est toujours là, le dragon? Putain, il est toujours là-bas, le dragon. Voilà. C'était un crâne, ça. C'est un crâne humain. Tu veux que j'allume le prochain feu? Excusez-moi, il n'y aurait pas l'un d'entre vous qui a perdu son crâne là? J'ai vu un crâne rouler sous, le long du... Mais c'est du stuff ça. Imperial Sword. Non, c'est nul. Allez-y, les impériaux ici apparemment ils sont pas... C'est où Riften du coup? Là-bas, ok. Ça tombe bien, j'ai... Cette route-là, tu vois? Mon nez me dit que non. Peut-être pas. Je dis peut-être plutôt celle-là. Vous pouvez admirer un super arbre qui vole. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sang. Barrez-vous! Oui. Non mais... Incroyable ça. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin? Il y a une bannière. C'est-à-dire qu'on change de camp ça. Comme les péages, tu vois. Attention. Ah, là on est chez quelqu'un d'autre. Quand même bien fait. T'arrives toujours tout le temps d'oublier ton crâne. Bien sûr, je comprends. Et les trucs là. S'asseoir, tabouret, non? Il y a un bouquin là. Bon, j'ai pris la petite... Je peux pas lire le bouquin? Non, c'est un faux bouquin. Il y a un corbeau qui vient de se casser la gueule, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça me dit là-bas? Uskar... Ruine.
Je l'ai directement sous... T'as raison. Ah, une spider. Non! 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 Hop là, level 11! Oh, c'est bien. Ah, mais c'est vite, ça. Ah là, les chevaux... Moi aussi, j'aimerais des chevaux, mais vivants, si possible. Il y a eu un léger accrochage. C'est rien. C'est trois fois rien. Ils ont fait le constat, ils sont repartis à l'amiable. Bon, ils sont repartis à pied. Mais voilà. Ça s'est fait à l'amiable. Une petite maisonnette là-haut. Petite barrière. Ah ouais, ouais, ouais. Des mecs qui chantent en anglais. Charleston, nouvelle découverte. Bonjour. Tu m'as l'air un peu vénère. Pourquoi cet enfant est en slip? Il a une tête marron. Bon bah quand il repassera on lui demandera. Qu'est-ce que... J'ai l'impression que tu fais ton freedom là toi. Tiens donc, regardez qui voilà. Tu cherches la merde? Oui. 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 Ça marche. Je vais vous apprendre à me parler comme ça. Voyons un peu ce que vous avez dans le ventre. Bouge pas, bouge pas. Attends, 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 attends. Attends une minute. Ça s'en est pas grave. Abandonnez ton bouge. Ouais, bagarre, ouais. Je ne reste pas ici. Viens ici, viens ici. Oh, parade. Fais m'enchaîne. Qui vous a appris à vous battre? Montez votre garde. Mais j'essaye, mais il m'enchaîne le fumier. Assez! C'est terminé! C'est terminé! Tu vas voir si c'est terminé! T'as fait chier Kelly, mon petit pote! Vous allez rester là comme ça! Défendez-vous! C'est bon? Vous avez de la ressource, je dois l'avouer. Merci. Tenez, c'est pour vous. Exactement, Kelly. Attends, moi non plus, je comprends. Attends, il m'a laissé une note, je crois. Avertissement aux voyageurs, non. Dinner invitation, non. Non, c'est une note. Une note. Warrior Chef, non. Mais ça, c'est lui. Message d'Azadi. Nous vous recontacterons bientôt. Tu l'aimes bien, Freedom? Bah, je comprends. Attends, parce que... Kelly a des petits bugs là. Voilà. Ça va ta tête? Ça va mieux ta tête? Non, ça a pas l'air d'aller mieux ta tête. C'est pas grave. Village de timbré. Bisous. Putain, le mec, il a pissé la moitié de son sang sur Kelly et il a fait. Bien joué. Tu as une petite note. Attends, J'entendais. Et puis il y a un... Ouais, on va aller chercher ça là-haut par contre. On court après quoi les loups là? Dégage. Putain, fumier!
Il s'est barré, il a eu peur. Il va revenir, il va essayer de me la faire à l'envers. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Humier va. C'est limite encore plus beau quand on arrive sur l'automne comme ça. Oui, laissez-moi kiffer sur mon propre game. Je suis assez fier de moi. Toujours plus beau l'automne, oui. C'est vrai, hein, ouais, ouais, non, non, mais là avec le mélange orange-vert là dans les bois. Regarde ça. C'est pas beau ça? Tellement beau, j'ai pris un petit screenshot. Alors là, je suppose que vous allez me faire chier, non? Ça te donne envie de faire de la peinture, Freedom. Mais la question est, Freedom, oui, voilà. Je ne sais pas peindre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est hostile dans le coin. Qu'est-ce qui se passe ici, les gars, là? Quoi? Mais... Bah les Khajiits, qu'est-ce que vous foutez? À 4 contre 1? C'est quoi, on va les laisser faire, hein? Je comptais aller par là, de toute manière. On va les laisser faire, nous on va se contenter de faire ça, regarde. Non, non, tu me tires pas dessus, tu me tires pas dessus ou je sors mon arc aussi. Il va me tirer dessus. Viens ici, fumier, viens ici. Non, je t'ai raté. Mais qui c'est qui fait des bruits comme ça? Ah ouais, ah c'est bien. De loin, de loin. Oh la taille du truc. Bandit Trained Beer. Vous en faites pas, Kelly est là. Bon bah j'ai raté mes flèches mais... Et l'autre con qui me tire dessus là-bas au loin. Viens ici toi, viens ici. Viens ici nounours. Ça pique ça, hein? Kelly, elle ne connaît que le corps à corps. Eh, c'est moi qui l'ai fini, c'est ma victoire. Bien joué, Nika. Il y en a d'autres, les gars, il y en a d'autres. Je sais pas qui vous êtes, mais je vous aime bien. C'est quoi ça? Ah! Raté. Je vais vous tuer. Tu vas tuer personne. J'arrive pas à me battre, j'ai pas d'angle. Non, mais... Kelly, tu t'es pris une ou deux flèches, je crois. Qu'est-ce que t'avais sur toi? Flèche d'acier, je prends. Peut-être que je change mes flèches aussi. Je commence à en avoir pas mal, des flèches d'acier. Il en reste un, les gars, il en reste un. Allez, mes potes Khajiits. Il est où? Il est où, ce filou? Il est où, ce filou? Oui. Il est où? Je le vois pas. Pitié! Oh, il a peur! Par les dieux, encore une bagarre! T'as peur? T'as peur? T'as peur? Va voir tes potes Khajiits là-bas. Viens ici! Oh putain, je t'ai raté.
Allez, ça dégage. Je récupère des petites pièces. Ça aussi, je prends. Attends, t'as plein de trucs, toi, sur toi. Est-ce que j'en ai comme ça? Mes potes cagitent, oui. Bon, pas trop beau. Calmez-vous. Bon, pas trop beau. Je sais très bien ce que vous voulez. Je récupère mes flèches, hein, tu m'en veux pas. Du coup, est-ce que je peux... combien j'ai de flèches d'acier? Flèches d'acier 80. Ah, je peux peut-être... Je peux peut-être équiper les flèches d'acier pendant un petit moment. Du coup, où est-ce que j'en suis maintenant? Parce que je vais complètement ignorer les Khajiit et continuer ma vie en fait. Voilà, c'est par là. Faites bien ce que vous voulez. Gardez la bâtisse si vous voulez, les gars. Kelly n'a pas le temps. Kelly cherche du blé. Elle en est où, Kelly, au niveau de son blé d'ailleurs? 4588 pour une maison. À Blanche Rive, c'est 5000. Pour une maison en dehors de Blanche Rive, c'est 7500. Et pour le manoir de ouf... Non, il n'y a pas RP Walk. Et pour le manoir de ouf, c'est 15000. Après, je vous cacherai pas que sur ma game, le manoir de ouf, je l'ai acheté. Il est un peu nul. Mais quand on aura les 15000, je vous proposerai un deal. Vous me direz. Parce qu'il y a une maison que je peux techniquement avoir tout de suite gratuitement. Mais c'est pas drôle. Donc du coup on verra comment on gère les choses. Nous voici donc à Riften avec des loups. Encore des loups, toujours des loups. C'est toujours deux les loups généralement. Non mais bonjour. N'avancez plus. Avant d'entrer à Faïez, vous devez payer la taxe de séjour. La taxe de séjour, ça sert à quoi? C'est pour le privilège d'entrer dans la ville. Qu'est-ce que ça peut faire? J'ai l'impression que c'est pas légal, ça, mon pote. Hein, hein? Tu le sais que c'est pas légal. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Si vous ne payez pas, vous ne rentrez pas. J'ai pas d'autres options. Écoute mec, je paye. Je paye. Surveille tes poches. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais, laissez-moi ouais, ouais. Vous ouvrir la porte. Ouais, c'est ça, ouvre la porte, ouais. Fais ton taf, portier. Ouais. Incroyable ça. La porte est déverrouillée. Vous pouvez entrer dès que vous le voulez. Fumier. Bonne journée. Et non, c'est bon, la porte elle est ouverte, j'allais pas lui voler la clé. Je l'avais prévenu en plus, hein, je l'ai pas pris en traite, je lui ai dit ok je paye, surveille tes poches. Pas de ma faute s'il l'a pas fait. J'y suis strictement pour rien, stricto sensu. Oui, nous voilà à Riften. Je m'en suis encore prise à la guilde des voleurs. Be careful, Mio. The Thieves Guild has Maven Blackbriar at its back. Vous êtes à Faïez pour chercher des ennuis? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ne dites rien que vous regretteriez. Les ronces noires n'ont certainement pas besoin d'une grande gueule qui essaie de s'immiscer dans leurs affaires. Pourquoi les clans qui font peur, ils ont toujours un petit... ils ont toujours un petit genre... Les Dark Walkers ou les ronces noires ou que des trucs comme ça. C'est jamais... je sais pas, les marcheurs arc-en-ciel par exemple. C'est jamais ça.
Alors que ça peut faire flipper, hein. C'est la réputation. C'est tes actes qui font ta réputation, c'est pas ton nom. C'est nul, les ronces noires, mec. Les ronces noires ont tout Faïez dans leur poche. Et la protection de la guilde des voleurs. Alors ne vous mêlez pas de leurs affaires. Ouais, mais. T'appelles le pire gang de ouf, de tueurs, de ce que tu veux, les lapins mignons. Je te garantis que quand t'entends le nom des lapins mignons, t'as un peu les foies derrière. Tu vois, c'est la répute qui compte. La guilde des voleurs, intéressant. Me, I'm Maul. I watch the streets for them. If you need dirt, je lui ai fait perdre son français, dis donc. I'm your guy, but it'll cost you. C'est vrai que j'ai chopé une gemme étrange. T'as des infos là-dessus ? Pour avoir mis la main sur une gemme pareille, vous avez forcément dû la voler. J'imagine que vous trouverez votre place ici plus facilement que je pensais. Alors, que voulez-vous savoir ? Il vaut combien le caillou, là ? Vous trouvez que j'ai l'air d'un marchand ? Va falloir le demander à Vex de la Guilde des voleurs. Entrez dans leur bonne grâce et vous la trouverez. Ça marche. Et bah bisous. À la revoyure. À la revoyure. J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Quand vous avez emprunté l'or, vous avez dit que vous alliez rembourser à temps, et avec le double des intérêts habituels. T'es en train de te faire engueuler, toi. Mais comment aurais-je pu deviner que le chargement serait volé ? La prochaine fois, gardez vos plans pour vous. Ça vous évitera ce genre de désagrément. What ? Are you telling me you robbed it ? Why ? Why are you doing this to me ? Je vous préviens, Chadre. C'est mon dernier avertissement. Payez ou vous allez le regretter. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'or. Le reste, c'est votre problème. De Maison du Café. Ah, mec ! Qu'est-ce que vous voulez ? T'es dans la merde ou pas ? Je dois une forte somme d'argent à une personne qui, à mon avis, s'est jouée de moi. Aïe, 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 aïe. C'est pas quoi faire. À la prochaine fois. Reste dans ta merde, mon pote. Bonjour. Objets rares et curiosités de qualité en provenance de Morrowind. En provenance de Morrowind. Good afternoon. Quoi ? Tout cet or que vous trimballez n'a pas été gagné par un travail honnête. Pas vrai, jeune fille ? Pardon ? Déjà, t'as un prénom imprononçable. T'as une très belle coupe de cheveux, par contre. Mais pardon ? Je dis que vous avez de l'argent, mais que vous ne l'avez pas gagné honnêtement. Ça se voit. Encore une fois, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Oh, c'est là que vous vous trompez, jeune fille. La richesse, c'est mon métier. J'ai l'impression qu'il me dit ça, Nezo, là. Qu'est-ce que t'as en tête ? J'ai une tâche à accomplir et j'ai besoin d'un coup de main. Et dans mon boulot, le coup de main est bien payé. Ah mais là, tu parles mon langage, là. Je t'écoute. C'est simple. Je fais diversion et vous allez dérober l'anneau d'argent de Malaisy dans un coffre situé sous son étal. Une fois l'anneau en votre possession, je veux que vous alliez le déposer dans la poche de Branché sans vous faire remarquer. Ouais, et pourquoi je ferais ça ? Quelqu'un voudrait couler définitivement ses affaires. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Quand vous voulez y aller, prévenez-moi. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Donnez le signal. Ouais, mais... Tu vas m'attendre un peu, j'ai des trucs à faire et en plus il fait nuit. Unique. Achetez une fiole de mon authentique élixir de sang de Falmer. Seulement 27... Où est-ce que je voulais aller là-bas ? Objet rare et curiosité de qualité. Mais c'est pas ça du tout. Va te prendre de l'eau, va te prendre de l'eau. Et surtout, c'est parti d'une blague, go follow Nezo, mais... Allez, follow Nezo si c'est pas le cas, parce que peut-être que Nezo a en idée de peut-être faire des trucs, peut-être. Voilà. Donc si vous saviez pas qui follow, peut-être que... voilà. On sait pas ce qui peut se passer. Un jour, vous allez dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait live comme ça ? Voilà, je vous en prie. C'est là que je voulais aller, moi. Voilà. C'est bon, t'as de l'eau. Va follow Nezo Freedom aussi après. C'est pas déjà le cas. Qu'est-ce que je te dis ? Pose pas de questions et bois ton eau, bois de l'eau. Parce que dans les prisons, il y a toujours des petits...
Et il pique toujours plein de trucs. Toujours plein de trucs aux gardes. Hey, vous n'avez pas le droit d'être ici si vous ne venez pas conduire des affaires officielles. Merci, Freedom. Mais allez, je veux juste aller rigoler. Oh, autant pour moi. Désolé, vous pouvez y aller. Merci. Nous sommes donc dans la prison de Riften tout de suite. Cagit fou. Le Cagit fou dans la cellule 1 ne doit pas être dérangé. Il nous a payé cher pour cette cage. Alors, n'allez pas l'embêter. Il est toujours là dans un mois, je pense que nous devrions appliquer une petite augmentation de loyer. Mais je doute qu'on en ait l'occasion. Vous avez tous vu à quoi il ressemble. Je ne serais pas surpris s'il essayait de mettre fin à sa vie bientôt. Si vous le voyez d'humeur particulièrement suicidaire, entrez et arrêtez-le. Il utilise la clé qu'on lui a donnée, donc si vous devez entrer rapidement, utilisez le double dans le coffre cassé au-dessus de la cheminée. Un homme mort ne peut pas payer le loyer. Ok. Ok. Coffre au-dessus de la cheminée. Sibby, if you don't shut your mouth soon, I'll have to come up there and shut it for you. Do I make myself clear? La clé de cellule. Link, elle va te voir, t'es encore, c'est pas grave. Clé de cellule. Les petits tambours là qui commencent, ça le fait bien, je trouve. Come to kill me at last, have you? Thank the gods. I can bear the guilt no longer. Pardon? I know I must die. Beware, though. My newfound honor demands I defend myself. Attends, mais on se connaît? I am in no mood for jokes. Strike me down. Take your revenge. Honnêtement, mec, j'ai aucune idée de quoi tu parles. You don't remember? That is my fault also. I am your so-called friend Inigo. I was the one who killed you. I tried anyway. I am guilty. Kill me. T'as essayé de me tuer, mais t'as pas fait un très bon travail du coup, parce que je suis... Mais... De quoi? Pourquoi t'es là? After I shot you, I finally realized my mistake and tried to turn myself in. Your body was gone. The guards did not believe me. Et... They said I was wasting their time. I had to pay them to put me in this cell. It is where I belong. I needed to repent. I need to repent. Mais non, mais Si tu pensais que j'étais mort, alors pourquoi es-tu ici à m'attendre? C'est vrai ça, du coup, si tu pensais que j'étais... Ouais, mais c'est un Cagit, mec, regarde, il a une tête de chat. Forcément, il a un petit accent. Les Cagit, ils ont pas la même ils ont pas la même langue. Ils ont des langues de chat avec les petits piquants. Du coup, bah voilà, ça lui fait un accent de merde. Du coup, attends, si tu pensais que j'étais mort, qu'est-ce que tu fous à m'attendre ici? I heard tales of a remarkable adventurer. Ouais, c'est moi. Both brave and resourceful. C'est moi. Matching your description. C'est moi. I knew it was you. It had to be. I knew you would be coming for me. Ça, so I waited. Are you going to kill me or not? Mais non, je vais pas te tuer, pourquoi? Je quoi? I see that I must relive it again. Your memory is not what it was. Ben non, parce que c'est... We met on a job. Écoute, mec... Quel genre de travail? The killing kind. We were hired by a lord called Dupin to kill his brothers. With them gone, Dupin would inherit a great fortune and promised us much gold in return. Do you remember none of this? Pas du tout.
presque sûr que je ne suis pas celui que vous pensez. Je ne souviens pas de grand chose, mais il est clair que vous devez... Écoute, je ne me souviens pas de grand chose, mais... Kelly, elle commence à faire... Mais il est clair, en gros, que tu me dois quelque chose, là, donc tu viens. I fight with you. Ouais. Ouais, Nigor, rembourse ta dette avec le sang de tes ennemis. Or die defending you. Ouais. Yes, I accept. I feel lighter in my heart now you have given me this opportunity. It will be like old times. Exactement. Exactement. Regarde juste où tu pointes ton arc et on sera bon. Do not joke about such things, my friend. The sadness I feel for what I have done is brutal enough. For now. Pour le moment. Par contre, t'es en slip? Nigo? I am here for you. What's next? T'as pas... Y'a quoi dans ton coffre? Qu'est-ce que tu foutais en slip? C'est quoi ça? Le journal d'Inigo. On lira les petites entrées de d'Inigo. Inigo le courageux. Un jour, Inigo se promenait dans sa ferme d'araignées en s'occupant de ses affaires quand il a senti que quelque chose n'allait pas. Son nez étant le meilleur du pays, il le suivit jusqu'à une grotte voisine où il trouva une belle femme de race indéterminée en train de pleurer. Inigo le Nigo, oui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» dit Inigo. « Un troll puant a volé ma sœur, » dit la femme rayonnante. « Pouvez-vous m'aider ?» Attends, je le prends ce bouquin. Je peux pas le prendre, voilà, prendre le bouquin. Voilà. Oh, y a quoi dans ton coffre, Inigo? Ah bah voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Evil Mastermind Hood. 600 flèches de fer. Un arc à flèches. Une dague, une... Ursine Silver Sword. Ouais, on va te filer ça. Est-ce qu'on lui met deux dagues à Inigo ou... Deux épées. On va lui mettre deux épées. Et on va lui mettre sa capuche. Allez, on lui met sa capuche. Question. Aïe. Pourquoi on dit un arc à flèche? Parce que si c'était un arc à baguette, ça serait plus compliqué à Nienka. Parce que ça. Il y a les arcs à souder aussi. Voilà. Blasé dans ton cul. Inigo. J'ai besoin d'échanger des trucs avec toi. Yes? Ouais, bien sûr, ouais. Ah bah t'as déjà... Fumier, t'as un meilleur équipement que moi. Moi, je voulais te filer les trucs que j'ai trouvés dans le coffre. Écoute, c'est quoi, tu te démerdes avec. Je vais pas le savoir. Je vais peut-être pas te donner toutes les flèches. T'en avais 600, je vais t'en donner 600. Il y en avait 600 dans le coffre. J'en ai 599, parce que là, si je... faire ça. Voilà. T'avais aussi deux épées. Celle-ci. Et... Je vais te donner une épée de corsaire, elle est un peu classe. Celle-là. Un arc à flèche, t'as pas besoin du coup. Et en armure, attends. J'ai pas une armure un peu classe à te donner? Plutôt qu'une vieille armure de... Ah bah écoute, je te file ça en attendant. Ça. Tu veux un petit... Tu veux un petit sac à dos, Inigo? On va te donner un petit sac à dos, bouge pas, tiens. Voilà. C'est bon, t'as équipé tout? T'es beau gosse maintenant? J'en suis à combien? Ouh, 300 sur 395, ça va être compliqué. Tu peux tirer aussi avec un... Mais c'est moins précis, oui. Voilà. What's next? Eh ben on se casse, Inigo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En route, mon petit pote. On va retourner à Blanche Rive. Continuer de sauver les gens. Tu me suis ou pas? Ouais, tu mon pas trop beau. Mon pote Inigo. Mon pote Inigo. Bonne journée. J'aurais dû trouver une petite tenue à Inigo parce que là, le... Le petit cahuir, c'est un peu... Voilà. C'est pas très classe. Allez, Nigo. T'es là ou pas?
Tchuss, monsieur Nezo. Oui, Anienka. Oh, il fait nuit. Elle est où, la taverne? On va aller attendre à la taverne. Elle est où, la taverne, en Riften? Je me paume toujours dans ce coin. Et là, en plus, les vendeurs, les shops et tout. Scorchhammer, non? Ça, c'est le... C'est ça, la taverne? The Bees and Bard, ouais, ça doit être ça. On va aller passer la nuit à la taverne, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah ouais, mais elle est dormir, tiens. On va aller louer une chambre et tout, on va faire ça bien. Ouais. Bonjour. Putain, il y en a du monde ici. Bonjour. De Fayez, écoutez mes paroles. Le retour des dragons n'est pas qu'une simple coïncidence. C'est un signe. Un signe que Dame Mara est mécontente de votre état d'ébriété permanent. Encore illuminé. Posez ces villes bouteilles et recevez l'enseignement des servantes de King. Posez ces villes bouteilles. Non, Maramal, nous en avons parlé. Talen. Kirava, nous pouvons Adam. Sûrement arriver à nous entendre. Il faut que Hello, friend. Le chaos qu'il provoque. J'aurai une chambre. Pas de problème, elle est à vous. Merci. Assez, Maramal. Elle est... Tout le monde a entendu parler du retour du dragon. Inutile de s'en servir comme excuse pour harceler nos clients. Très bien, Talen. Je quitte immédiatement ce lieu de déplacement. Le retour des dragons. On ne vous jette pas dehors. Les Argoniens. Simplement, gardez vos serments pour vous et laissez-nous vivre en paix dans le. C'est les. Oui, c'est les âmes. Ouais. C'est chambre. Eux qui recrutent. Suivez-moi. Oui, montre-moi ma chambre, s'il te plaît. Parce que là, je suis un peu paumé en fait. Je te suis, madame, mais il y a beaucoup de monde dans ton estambouille là. C'est où? Ah, il y a un étage! Grave, tu m'étonnes. Ça vous plaît le barde là? On est pas mal là. Viens, Inigo, on va se coucher. D'accord, madame. Vous avez un très très beau plumage, madame. Parce que là, je vais me coucher, voilà, faut. Madame. Tu veux passer la nuit ici, madame? Et quoi dans le coffre? C'est notre compagnie adorée. You lost. Quoi? Mais... Ah, t'es comme ça, toi, carrément! Oh putain, on dirait Wham avec un slip sur la tête. Oh, c'est bien, mais sortez de ma chambre! Et quoi, je dors, foutez-moi la paix. Eh ben, le chiffre. Refais-toi un petit run. On va dormir jusqu'à... Voilà. Grasse mat. Ça, vous êtes tous reluqués. Le chiffre, en plus, tu sais exactement ce qui va se passer. Là, je vais dire, vas-y, refais-toi un petit run. Je vais dire, ok, je relance le game. Et ce coup-ci, je joue un guerrier spécialisé dans le combat à main nue, etc. Où tu vas te dire, je vais jouer un mage. Je vais jouer uniquement un mage, uniquement la magie, tout ça. Tu vas faire comme tout le monde. Tu vas jouer à l'arc et en furtif. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on joue à Skyrim. Arc et furtivité. Bon, et le jour va se lever. Inigo, t'es où? Là, mon pote, on n'a pas discuté un peu. Comment ça va, Inigo? Riften always smells lovely. It is a good place to start a new adventure. C'est vrai, c'est vrai. T'as des idées? I see you found Inigo the Brave. Ouais. It's ton petit just bouquin. A little thing I've been working on. C'est toi qui l'écris? It is probably rubbish. Hand it over, and if we're relaxing somewhere safe, I'll read it to you if you want.
Ah ouais, ouais, carrément, tiens, je te rends ton bouquin. Pooling our resources. Je crois que j'ai oublié un truc dans la... J'ai oublié un truc dans la cage d'Inigo, faut qu'on y retourne. J'ai oublié Mr. Dragonfly. Inigo le courageux, tiens, je te le rends. Ok, let us get back to it. Faut impérativement retourner dans la prison. J'ai oublié le pote de compagnie. Ouais, il y a un problème avec les enfants là, très clairement. Ah, mais je sais ce que c'est de la faute de Freedom s'ils sont comme ça, les gosses. Non, mais c'est pas une vanne. Tout premier stream de Skyrim, on croise des gosses. Freedom me dit, est-ce que tu peux les tuer? J'ai dit, je crois pas, on essaye. Et on pouvait pas. Du coup, j'ai installé un mod. Naturellement, j'ai installé un mod. Si, c'est indirectement de ta faute. Et je crois que c'est ce mod qui rend les enfants tuables. Il les fait planter, en fait. Il va falloir que je le corrige. Inigo, on allait oublier. Et on a oublié ton journal, putain, Inigo. Alors, tes effets personnels. You want to talk? Ouais, ouais, tiens. I hope this will be a mutually beneficial exchange. Tu m'étonnes. Tiens, tiens, mon petit pote. Je te rends ton journal intime. Et Monsieur Dragonfly. Où est-ce qu'il est, Mr. Dragonfly? Là. Tiens. C'est littéralement une libellule dans une jarre, hein, mais... Voilà. If you need anything else, just ask. Ça marche, Inigo. Ben, je voudrais que... Voilà. Tu vois, il l'a mis à sa ceinture. Oh. Du coup, c'est ta faute, Freedom. Tu vois, je te l'avais dit. Let's go. Retournons à Blanche Rive. Il faut qu'on aide. Il y a Mamie qui nous a donné une quête à faire. C'est la faute de Freedom si les enfants sont pas habillés. C'est exactement ce qu'il faut retenir. Divers. Non. La capuche grise fouille le corps du voleur. Quoi? Quel voleur? C'est un voleur là. Bah, alors? Qu'est-ce que t'as sur toi, mon con? Émeraude, je prends. Note du voleur, une perle, septime. Inigo, mon petit pote, je crois qu'on t'a trouvé une nouvelle tenue. T'entends le FBI toquer. Dis que t'es pas là. Dis que t'es pas là et c'est bon. Ok, let us see what we have. Oui. Regarde mon bon Inigo. Regarde ce que je te donne. Ça te plaît ça? Et la capuche aussi? Non mais la capuche elle est super basse je crois. On va récupérer ça. All set. Là t'es beau gosse Inigo. Allez, du coup, arrête de te perdre dans tes... Ce que je voulais trouver, c'est sans laquer notre Become Full Member of TV, non. Voilà, fallait aller voir Mamie à la nuit tombée, maintenant qu'on a bien attendu que le jour se lève. C'est quand même bien fait. Qu'est-ce que t'as mangé, Aninka? Je vous dirai bien lui qu'on est passé. Évidemment, Freedom, évidemment. Évidemment. Ah, la nuit tombée. Elle habite où, Mamie? Dépêche-toi, Nigo. Faut aller voir Mamie. Des croquettas? Quoi ça? C'est quoi les croquettas? C'est bon? Ah, regarde ce gosse-là aussi. Il est mi-chauve, mi-chevelu. Madame. Mamie? Ok, jambon au fromage. Ah putain, je connais pas ça en vrai.
Bienvenue chez nous. Ah ! Mère, qu'est-ce que cela signifie ? Qui avez-vous fait entrer chez nous ? Qui parle ? Reposez ça ! Elle est ici pour nous aider à trouver Thorald. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas une espionne des guerriers nés ? C'était stupide. Nous ne pouvons nous fier à personne. Qui sait ce qu'ils feront s'ils me trouvent ici ? Je n'en peux plus. Pas d'armes, je vous en prie. Discutons, simplement. Ah ouais, discutons, regarde. Très bien, mère. Elle a encore du sang et tout sur sa truc. Non, 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 vous pouvez me faire confiance, hein. Alors vous êtes là pour m'aider. Je sais même pas ce qui se passe, en fait, au juste. Mon frère, Thorald. Ouais. Il se battait pour les sombrages et il a disparu. Tout le monde part du principe qu'il est mort. Mais il est vivant, je le sais. Les impériaux l'ont capturé et ils le retiennent quelque part. Les guerriers nés savent à quel endroit. J'irai bien fouiller leur maison pour dénicher une preuve. Mais ils en ont après moi également. Je serai capturé, et alors, nous ne saurions jamais ce qui lui est arrivé. Alors il faut que quelqu'un trouve cette preuve pour moi. Moi ? D'accord. Quel genre de preuve t'as besoin ? S'il faut se faufiler quelque part en scrud et voler des trucs, c'est bon. Je prends. Quel genre de preuve tu veux ? N'importe quel élément qui confirme que Thorald n'est pas mort mais retenu prisonnier. Je sais que les guerriers nés en ont une. Bien sûr, ils doivent la cacher. Ils mentent depuis le début et ils ne voudraient pas que ça se sache. Si vous leur passiez assez de pommade, ils baisseraient peut-être leur garde. Si vous leur passiez assez de pommade, ils baisseraient peut-être leur garde. Et pourquoi tu penses que les guerriers nés sont impliqués dans le délire ? C'est pas les impériaux ? Les guerriers nés. Les plus gros lèche-bottes de l'Empereur à Blancheive. Bien sûr. Leurs relations avec l'Empire et la Légion sont de notoriété publique. Lorsque j'ai vu que Thorald n'était pas rentré, je ne me suis pas posé de questions. Ils savaient que Thorald soutenait les Sombrages et qu'il allait aider ceux-ci au combat. Alors ils ont fait en sorte qu'ils ne reviennent jamais. D'accord. Ils l'ont enfermé quelque part pour se venger de ma famille, j'en suis sûr. Je préférerais que vous ne disiez à personne que vous m'avez vu ici. Ça dépend, tu payes ou pas ? Ah, c'est bon, c'est pour Fralia, on va l'aider, c'est Fralia. Something on your mind? Ah, Inigo. No. Ça marche. On le fait quand même. Ah, attends, attends, mais c'est fermé. Mamie? Mamie? Tu m'as enfermé dehors? Je vous en prie, si vous pouvez faire quoi que ce soit pour m'aider à retrouver mon Thorald. Allez, prenez soin de vous. Ben, je veux bien, mais... C'est fermé chez toi. Je vais crocheter la serrure, alors du coup, tu m'en veux pas ? Oh bah bisous mamie hein. Skillfully handled. Merci, merci mon bon Inigo. Et il fait nuit. Eh, l'arbre, il a retrouvé des feuilles. On ne voit pas naturellement parce qu'il fait nuit. Voilà. Ouh. Oh, on dit oh. Alors il faut que j'aille où ? Pas une évidence, ça aura se fait. Donc il faut que je trouve des trucs. Inigo, va falloir être discret. Hein. Tu m'as entendu ou pas ? J'espère que tu m'as entendu, mon petit pote. Alors c'est dans cette baraque-là. J'ai le droit d'y rentrer ou pas ? Je dis mamie, mais seulement un an de plus que Kelly. Oui. Oui, mais Kelly, elle va à l'aventure, Kelly. Scrut, scrut, scrut. Scrutidor, scrutidor. T'inquiète, je suis sur le coup.
Je fasse la porte. Ah putain, bien joué Anienka. Ah bien joué. Merci pour les bits. Visible du général, c'est là. Je l'ai. On a attiré mon attention sur le fait que des investigations avaient été menées à l'endroit d'un certain Thorald Gristoison. Il est de mon devoir de vous informer que les agents du Talmor ont pris possession du prisonnier et l'ont escorté jusqu'au donjon de Norgay. Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire davantage. Il est dans l'intérêt de tous d'oublier cette affaire et j'espère ne plus en entendre parler à l'avenir. Le général Tiduis, on va appeler le général Titus, Tutu, le général Tutu. L'amulette de Zentar, c'est quoi ça? Les prix sont 10%. Ouais, je prends ça. Général Tutu. Ah mais je perds de la... Je peux pas prendre ça, je perds de la... Je perds de la défense avec. L'amulette de Mara par contre, ça se revend bien. Je cherche la merde. C'est exceptionnel. Non. Hey. Non. Ok. Vous avez entendu quelque chose? Planque-toi. Planque-toi, Didier. Planque-toi. By order of the Jarl. Stop right there. Arrêtez, je me rends. Je me rends. Ça va, je paye. Mais suivez-nous. Oh, la caméra, là. Nous garderons tous les objets que vous avez volés. Non, garde pas les objets volés, putain. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Tu pourrais te relever, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait ça? Je peux carrément me mettre... Je savais même pas que je pouvais faire ça. Putain, ils ont tout volé, Nigo, le loot! Bon, j'ai encore tout mon équipement. Je suis devenu le seul, mais carrément, je sais pas si... Nigo, ça fait pécho, putain. Du coup, mon or, on en est où, là? Ah, ça a baissé, hein. Pourquoi je fais moins de dégâts? Ah non, c'est parce que, voilà. Techniquement, on n'a rien volé, voilà. Alors, du coup, je vais aller donner la preuve à mamie. Ah, je me suis fait choper. Dég. Ouais, c'est vrai. Mais si, ils m'ont volé mes... Voilà. Ils m'ont quand même volé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, tu m'étonnes. Mais mamie, arrête de fermer les portes si tu veux que je vienne te parler. Quelle heure il est? Ah mais on est dimanche, elle bosse pas, mamie, le dimanche. Inigo, mamie, elle bosse pas le dimanche. This town is very pretty. But it is not as delightfully damp as volé mon voilà, oui. The right fire in the wrong place could do a lot of damage here. Inigo ne t'approche pas d'une flamme. This place is like a sensory enema. Ça marche. Je peux te demander quelque chose? You have my full attention. Parlons un peu. Parlons un peu. All right. Pour avoir moins de barrières, je préfère que tu ne parles pas avec d'autres gens. Bah non. Oh, Seth. Ouais.
Ouais, c'est bon, Nigo roule. Il va falloir refaire la porte de mamie, mais... Mamie, il va falloir rechanger la serrure, hein, je regrette. Ah, ça va, c'était pas compliqué. Bonjour, mamie. Mamie, j'ai la preuve. Ah, c'est à toi qu'il faut que je parle. Eh, Benoît. J'ai la preuve. Vous avez des nouvelles ? Vous avez trouvé quelque chose ? Oui, et ça s'est passé sans embûche. Je le savais. Montrez-la-moi, s'il vous plaît. Les Talmor ? Par les neufs, c'est pire que ce que je pensais. Bien. Ah. Le donjon de Norgay. Le donjon de Nullbuck. Et tu vas y aller tout seul. Bon, certes, t'as des gros bras et une grosse hache. Mais tu vas y aller tout seul. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon frère. Acceptez-vous de vous joindre à nous ? Nous ne pouvons pas laisser Thorald au qui mal. Ça, nous ? Ces monstres. Laissez-moi voir si je peux le ramener sans effusion de sang. Ouais. Écoute, mec. Reste caché, je m'en charge. Vraiment ? Ouais. Je doute que vous ayez la moindre chance face aux Talmor. Je peux rassembler un groupe d'hommes en un instant. J'en connais beaucoup qui seraient prêts à m'aider à sauver mon frère. J'en doute. Écoute. Ah, je sais pas, qu'est-ce que je fais ? J'y vais solo ? Je tente un truc ? Ou on fait salade ? En vrai, je sais pas. Est-ce que je tente un truc ? Ou est-ce que je fais salade ? Salade avec des gens... Ils ramènent du monde et on fait salade ? Allez, on fait salade. Ça va, Bulstien ? Tu m'as convaincu. Exactement. Ensemble, nous avons plus de chances de réussir. Rendez-vous au donjon de Norgay. Ah, Fingar. Je vous rejoindrai là-bas et nous préparerons notre assaut. Ça marche. C'est où ? Attends, je me casse. On se casse, Nigo. Faut aller au donjon de Nullbuck. Je suis encore plein de sang là, je peux pas me baigner dans les douves là deux secondes. Je me nettoie un peu. Ça marche pas, hein. Je suis toujours totalement ensanglanté. Hein. Comment ça se fait que je sois toujours ensanglanté après tant de temps? Il est en slip, il est tout propre. Quand même bien fait, non? C'est où ce merdier? Où est-ce que c'est? Ça, on va pouvoir le retirer. Voilà. Merde, je vois pas où c'est. Montre-moi sur la carte où c'est. Oh putain! Mais j'ai la moitié du continent à traverser là! Ah, oh, salade, salade, mais ouais. Bon bah let's go hein, RP Walk... Vous me soutenez, c'est bien. Je sens le soutien de votre part et ça me bat trop de cœur, ça me fait plaisir. Attends, il faut que... J'ai pas commencé à vider mes poches dans un vieux tonneau, là. Il est où, le vieux tonneau? J'ai piqué des lingots d'or, il... Bougez pas, j'ai un tonneau dans lequel je vide mon merdier, il est où? Il est où ce tonneau? C'est celui-là, non? Yes, c'est celui-là. C'est ton ex, le vieux tonneau. Bah écoute, je vais me vider les poches dans ton vieux tonneau. Parce que là, je suis un peu trop lourd. Ah non, ça reste carrément là, en vrai. Ça aussi.
Peut-être garder ça pour la résistance au frost. J'en ai déjà de ces trucs là, faut que je vois ce que j'ai. Attends, surtout les épées, les armes là. Pourquoi j'ai ça dans mon inventaire? Oui, expliquer pourquoi je me traîne tout ça. Voilà, je suis quand même déjà plus léger. T'as rien vu, Violette. Ok? Ouais, passe ton chemin, ouais. Garde-la à l'œil, Inigo, celle-là, parce que... Eh bien, Inigo, on se casse. On part à l'aventure. Let's go. Lululululul, OBJ, OBJ. Tête du mec barbu qui rigole. Merci, Onesia. Je crois que t'as des petits soucis de... T'as des petits soucis de d'émote. Parce que je le... Sur... Et sur Ops. Et sur ma surface, ça m'affiche la même. T'avais déjà eu le souci, je crois. Alors... Non, map. C'est quoi, on va faire le trajet. On va faire le trajet, il va nous arriver tout un tas de merde sur le chemin et ça va être bien. On va se diriger à Mortal. Tu sais quoi? Voilà. On va faire comme ça, là. On va se diriger à Mortal. On va voir ce qui nous arrive sur le chemin. Parce que forcément, il va nous arriver les couilles. Hein? Il ne peut en être autrement. Allez, Nigo. Nigo. Tu suis, hein? Tu peux suivre de plus près si tu veux, Inigo. My friend, Skyrim is a big and often confusing place. Oui. We are bound to lose each other from time to time. Never fear. That map you have is special. La vieille map, ce vieux truc là? Some poor old adventurer in Citadel. It does not only mark locations, it can also show the position of items and people too. Revoilà le chiffre. Where are you, Inigo? There. See? I have placed myself on your map. If we find ourselves separated, d'accord, all Inigo. All you need to do is look me up. Pretty fantastic, eh? Eh ben, c'est plutôt bien fait. C'est génial, Inigo. Merci. No problem. I am always happy to help. Et ben en route. Ok, let us get back to it. Je lui enlèverais bien sa capuche à Inigo pour voir sa petite tête quand même. Uh-huh. Inigo, attends. What are we trading? Je te pique. Voilà. C'est quand même mieux comme ça, mon bon Inigo. Set. On est parti. Vous avez remarqué que Inigo, je crois que... Ah, il est balafré aussi, il est comme... il est comme Kelly. Kelly aussi, elle est balafrée. Oui, bah ça va, on y va. Putain, j'ai du sang partout sur mes fringues, là. Il va falloir aller à la laverie après. Di-da-di-da-da. N'oubliez pas, il est important de jouer à Skyrim au moins une fois par an. Ah, tombé de ta cage, toi. Di-da-di-da-da. Sur la route. Moi, j'ai de pognon, là. 4585, putain. On est encore loin des 15 000. Hein. On est encore très loin des 15 000. Mais c'est la faute de l'autre garde, là. Putain. Il n'y a plus tout mon pognon. J'avais au moins 8 milliards.
Et il a tout pris. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Bah, messieurs, vampire! Pêche d'acier, je prends. Potion de sang. Ah, j'en ai pas besoin. Des vampire boots? Ah, vampire gauntlet. Ah, avec des petits piquants? Je peux lui équiper des bottes avec des gants avec des petits piquants? Et ça augmente mon armure en plus. Ouais, ouais, j'ai récupéré des bottes aussi. Ah, les bottes, ça baisse de 2. Mais elles sont hyper classe. On va les mettre quand même. Comment ça ressemblait à quelque chose, Kelly? C'est pas mal. Tu te fais un nom dans ce milieu. Tu te fais un nom en Skyrim. Les gens se rappelleront de toi. Messieurs. Madame. Je gagne en charisme. C'est ça, c'est exactement l'idée. Et ça, ça n'a pas de prix. Bah si, ça a un prix. C'est moins de défense. Mais on va prendre vers le nord du coup. Là, avec la route. Avec cette route-là, on coupe un peu comme ça à travers le champ parce qu'on est des rebelles. Inigo, si je sprint comme ça, tu suis, hein? Comment ça? Ah, ça me fait pas peur de sprinter, hein? C'est quand qu'on mange? Bientôt, Onésia, bientôt. Tu patientes un peu. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir, Onésia? Tagli. Tagli au saumon. Freedom aussi manger, oui, tout à fait. C'est quelque chose que les gens normaux font. C'est comme boire de la bière, mais en plus solide. Tu devrais essayer des fois, je te jure. Comment il est tout frais, ce pont. Il sent encore bon le bois coupé. Inigo? Inigo, qu'est-ce que tu fous là-bas? Qu'est-ce que t'as vu, mon pote? C'est les crabes qui te font marrer? J'en conviens, c'était... Ils ont tué quelqu'un là-bas. Dites donc, les crabes. Sorry, Mr. Crab. T'excuses pas, Inigo. Excuse pas, Inigo. Ils l'ont cherché. Ah, madame. Est-ce que t'as allé sur toi, madame? Tu es bien? C'est vrai que j'ai des amulettes. Bon bah madame, bonne journée. Hein. J'ai plein d'amulettes que j'ai toujours pas équipées. Et là, étant complètement distrait par autre chose, je vais naturellement pas le faire. Aïe aïe aïe. Tu veux que je te fasse ma recette de lasagne au Pringles ou pas? Recette de lasagne au Pringles. Allez! T'es pas joueur Freedom. Tu veux que je te dise, t'aimes pas l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein. Regarde, je visite, c'est la balade, t'as vu? Oh bah merde! Oh bah non, la carriole de chou! Inigo, la carriole de chou? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la balade. Planque-toi, Inigo, planque-toi! Inigo! On est repéré, Inigo! Non, attends, il s'attaque à autre chose là. Vas-y, salade, Inigo, salade, salade. Focus les mages, focus les mages. Aïe!
Je me suis fait dépouiller ma race. Ah, donc si vous aviez un doute sur le fait que là, je me baladais un petit peu plus... Oh. Ah, si vous avez des doutes sur les réglages de la difficulté du jeu entre le premier et le deuxième et stream là, où effectivement j'avais l'air un peu plus puissant, non, c'est juste que j'avais placé mes points de talent. Le monde est encore super violent. Voilà. Alors, je crois qu'on peut aller jusqu'à... On peut aller jusque là déjà. Oh mais du coup j'ai plus mes bottes de vampire. Oh fait chier. C'est de la triche. Voilà, c'est cette maison-là que techniquement je peux avoir gratuitement. Mais c'est pas drôle de l'avoir gratuitement. Mais celle-ci est mieux. L'Elysium Estate, je le connais un petit peu. Et pour l'avoir utilisé pour des runs solo, c'est une super player home. Ça là-bas. Ah, c'est une... Je suppose qu'il est plus là le vampire maintenant, il va pas attaquer, bah non. Putain. Il est pas là. Inigo. Bonjour. Yes. Ah t'as pas de message pour moi toi aujourd'hui. Ça change. Moi aussi j'étais aventurier autrefois. Mais puis j'ai pris une flèche dans le genou. Oui. Il y a peut-être des quêtes plus près et plus pour mon level, tu me diras. Parce que là, faut vraiment que... Si on part par là, j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu compliqué. Alors attends, voyons. J'ai pas reçu des lettres ou des trucs comme ça que j'aurais pas lu. Avertissement aux voyageurs, non. Anonymous letter, non. Si elle m'avait demandé un truc, attends, je sais pas, journal. La cité oubliée, cœur empourpré, faites l'aumône aux mendiants. Le quai de Vendôme, c'est pareil, c'est à Perpète ça. L'hôtel de Standard, Scorvi. On avait tenté ça, je crois, ça s'était mal passé. Hein. On va y retourner. J'ai reçu une lettre écrite par un certain Scorvi. Corvild, qui prétend être un ancien membre de l'aube mythique. Il y fait mention de la crise d'Oblivion et m'a demandé de le retrouver près de l'hôtel de Standard. Je devrais m'y rendre voir ce qu'il veut. Bon, c'est pas à côté non plus. Et c'est quand même moins loin. Voilà, c'est là-bas. C'est là-bas. On va faire ça, on va continuer tout droit et on va longer la montagne. En évitant ce lieu maudit avec les sorciers qui font un peu peur là. Moi j'aime pas les sorciers. Je sais toujours pas comment up ma défense magique. Il parle. Ça devait arriver. Remarquez, ça va. Ah, c'était l'heure qu'on arrête. De toute façon, bon, je rebidouillerai. Peut-être je m'avancerai un petit peu dans la... Merci. Ouais, hé hey. 4 streams et ça crache à la fin. 2100 mods.
Voilà. Un mot. Hop. Mais non, mais ça c'est... Mais c'est des bébés... C'est des bébés bugs, ça. C'est pas Crash to Desktop. C'est des bébés bugs, ça, c'est... C'est... Et puis ça, c'est pas des bugs, Anienka, c'est des features. Je veux dire, la map qui ne marche plus, c'était... Voilà, c'était une feature pour augmenter la difficulté. Les enfants buggés, c'est parce que... On s'en fout des enfants, c'est moche. Enfin, pour ça. C'est des features, c'est pas des bugs. Ça passe ou pas? Allez, ça passe. C'est parce que Freedom est là. Un petit... Parenthèse, en plus, c'est incroyable. Je suis en train de... continuer de modder Fallout 4 pour mon plaisir personnel. Autant Skyrim, j'arrive à faire tenir plus de 2000 mods dessus. Je peux vous dire combien j'en ai des mods installés. Là, j'ai 2371 plugins activés. D'après... c'est que les plugins, d'après Mod Organizer. Il n'y a pas de souci, le chiffre. Bonne soirée à toi. Je te dis peut-être à demain. Écoute, hein, moi, je serai là. Pas si t'as envie. Skyrim, bah vous voyez, hein, 4 streams dessus, un gros crash. Fallout 4, je suis à peine, à 500 mods. J'ai du mal à le maintenir stable. Et j'ouvre une porte, un coup sur deux, ça crash. Du coup, c'est chiant. Voilà, écoutez, je vous embête pas plus longtemps avec mes bêtises de mods. Oui. Qui était presque. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, bon appétit. À Roof surtout. Parce que Roof, c'est quand tu me fais la cuisine en vrai. Allez, j'arrête mes bêtises. Toi aussi, va manger Freedom. Ciao tout le monde, à demain. Ciao. Freedom, je te surveille. À bouffer. J'arrive, Roof, à ce week-end.